fela ki ba tonyonso aanse e bale yango lube e bimi pona biso yesu o ko fela ki
Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, frère Élie. Que Dieu vous bénisse aussi richement. Nous allons à présent passer à la louange d'ensemble. Pour ça, nous allons prendre le numéro 236 dans Hosanna. Oh, quel beau soleil. 236 dans Hosanna. Oh, quel beau soleil. Le feu divin brûle à mon
mon cœur le feu divin, divin brûlant, brûlant mon cœur le feu divin. Ce matin le feu divin, brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur, le feu divin. Le feu divin. Oui, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus. Oh oui, mon cœur le loue avec ferveur. Mon cœur le loue, oh oui, avec ferveur. Mon cœur le loue avec ferveur. Mon cœur le loue avec ferveur. Oh oui, alléluia, gloire à son nom. Il est Jéhovah Jireh.
d'entre nos âmes. Hosanna, alléluia, alléluia. L'Éternel est tout puissant. Hosanna, alléluia, alléluia. Il est l'Éternel tout puissant. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. L'Éternel est tout puissant. Hosanna, alléluia, alléluia. L'Éternel est tout puissant. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia. Alléluia, alléluia, hosanna. Nous prenons Jean-Firavi, même note. Jean-Firavi dans le jour du Seigneur, il entendit du ciel une voix qui lui dit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis vivant éternellement. Oui, j'en fais ravi dans le jour du Seigneur. Il entendit du ciel une voix qui lui dit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis vivant éternellement. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant éternellement. Oui, moi je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant éternellement. Oui, oh les sangs. Précieux sang, précieux sang de Jésus. Oui, oh les sangs. Il rend plus blanc que neige. Oh oui, oh les sangs. Oui, très bientôt, bientôt, très bientôt. Amen, alléluia, alléluia. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. Alléluia, bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. Amen, alléluia, alléluia. Plus de maladies, plus de maladies. Plus de maladies, plus de
m'a dit, plus de maladie, plus de maladie. Amen, alléluia, alléluia. Nous ne mourrons point, nous ne mourrons point. Qu'elle soit bientôt, oh, qu'elle soit bientôt. Oh, qu'elle soit bientôt. Oh, qu'elle soit bientôt, oh, qu'elle soit bientôt. Amen, alléluia, alléluia. Gloire, alléluia, gloire, alléluia. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons à présent inviter les pasteurs. Les musiciens, vous pouvez nous chanter Crois seulement pendant que les pasteurs montent. Merci. Joyeux anniversaire,
Seigneur, que ta vie soit sur Betty, la bénir, la protéger. En ce moment où elle a besoin de toi, déverse ta grâce, bénis son avenir, accorde-la les meilleurs lendemains, que ses années futures soient bénies maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, déverse ta grâce sur Mary, en lui accordant une merveilleuse croissance. En ce moment de reconsécration, j'ai besoin que tu puisses la bénir, tu puisses la garder loin de la mauvaise onction, loin de la délinquance juvénile, que son avenir soit éclairé, que ses années futures soient bénies maintenant, que je la consacre à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ta vie soit sur un homme, Seigneur Jésus, lui accordant des merveilles, une croissance véritablement guidée par le Saint-Esprit, loin de la délinquance juvénile. Ainsi, je les consacre à toi maintenant, en bénissant ces années futures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi un enfant à consacrer. Kukopia mutoto wa kutolea. Amen le, amen le, et sors-le de la vie du péché. Amen, amen le, oh amen le, amen les enfants. Mungu ni nini, ce qui est bon, il est comme aimant,
agréable et parfait. Ya kupendeza na kamilifu. Nous prenons Hébreux chapitre 7. Na chukua wa Hebrania sura yake ya 7. Je lis un, vous lisez deux. Mina soma ya kwanza, mwa mna soma ya pili. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Abolition. À cause de son impuissance et de son inutilité. Nous prenons Ephésiens chapitre 4. Tunachukua wa Efeso sura yake ya 4. Commence à lire au verset 8. Naanza kusoma ku mstari ya 8. Je lis 8, vous lisez 9. Ninasoma 8, mwe mnasoma 9. Jusqu'à 15. Hadi ku 15. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses
dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Enfin, Apocalypse chapitre 10. Je lis le premier, vous lisez le deuxième. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle-ci qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, « Prends-les et avale-les. » Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. On va prier. Taomba. J'ai longtemps erré sans but, altéré des vrais bonheurs, mais hélas, mon cœur avide est trop vert.
Alléluia. Que je suis sagesse secret. Et tu Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les plus beaux d'entre 10 000, reçois les honneurs, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la gloire. Reçois la magnificence, sois intronisé, sois élevé. Qui est dit? Qui est dit? Qui est dit? Oh Dieu! C'est dans ces mots que nous nous présentons devant toi, désormais et sans retour. Parce que nous comprenons la paix que Jésus nous donne.
il n'y a aucune personne, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune chose qui peut nous l'arracher. Merci Seigneur Jésus. Le véritable guide, toi qui nous a arraché du tombeau, toi qui nous a sauvés, toi qui a donné ton sang pour que nous soyons ce que nous sommes. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de louange, reçois nos alléluia. Dieu bien-aimé, même si c'était à recommencer, Jésus-Christ, tu seras notre Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Tu es adoré dans tous les sacerdoces. On t'a adoré sous Moïse. On t'a adoré dans le Nouveau Testament. C'est toi que nous adorons aujourd'hui. Tu es le maître de tous les trois sacerdoces. C'est toi le leader suprême. Reçois notre adoration. Reçois nos louanges. Oh Dieu. Que ta présence, qui est déjà ici avec nous, soit la solution à tous les problèmes. Cette présence, Seigneur Jésus, c'est la clé qui puisse ouvrir des réponses à tous les problèmes, pour guérir tous les malades, qu'ils soient dans cette salle, qu'ils soient en train de suivre en ligne, que cette onction spéciale puisse les toucher, puisse les bénir, puisse les lever, puisse les placer, puisse exaucer dans ses prières, puisse arracher son âme du danger. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais quelque chose. Parle-nous de cœur à cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Que sa présence soit la solution à tes problèmes. Uwepo wake ikuye sulisho kumambo zako. Qui te donne le désir de ton cœur. Akupatie nia ya moyo yako. Parce que l'accès dans ce troisième sacerdoce, wani kuingia mwiki kowani kia tatu, c'est rester en permanence devant les surnaturels. Nikubakia wakati yote mbele ya yulu ya asiri. Le surnaturel est censé ne quitter. Ya yulu ya asili aipashwe tena kukuacha. Toute ta vie doit être surnaturelle. Maisha yako yote inapasha kuwa ya yulu ya asili. Et le surnaturel signifie la présence de Dieu. Na ya yulu ya asili maana yake uwepo wa Mungu. Et quand Dieu est présent, na wakati Mungu eko, la verge d'Aaron est obligée de bourgeonner. Bakona ya Aruna inalazimishwa kuchipuka. Cela ne dépendra même plus de la volonté du bâton. Ile aitalingana tena na mapenzi ya bakoni ile. Mais le fait qu'il soit devant cette présence. Walakini vile tu iko mbele ya ile uwepo. La profondeur va appeler la profondeur. Upana
itaita upana inzake. Ta vie va bourgeonner. Maisha yako itachipuka. C'est une réalité qui ne dépend plus de toi. Ni ukweli ila ilingane tena na weye. C'est là où Frère Branham veut nous amener. Jokule ndugu Branham anapenda tupeleke. Amen. Amina. Alors vendredi nous avons beaucoup traîné sur la trace de l'Évangile. Alafu mkazi tano tulichelewa kabisa pa mwendo yenye injili nachukua. Parce que Frère Branham nous introduisant dans ce troisième sacerdoce. Kwani ndugu Branham mkutuingiza mwiki kwani kia tatu. Il a spécifié dans beaucoup de prédications. Alikazisha kabisa maubiri ya mingi. Comme nous sommes en train de le voir. Baka hivi tuko na yona. Que ce réveil va balayer en Afrique. Asema ile amko itafiakia mu Afrika. Et ça va évoluer. Na itafululizwa. Parce que le jour où il parla de la trace de l'Évangile, vous allez vous rappeler dans l'âge d'Éphèse, il dit Kwan. J'aimerais avoir la carte avec moi. Siku ile alikuwa anasemea kwa ajili ya njia yenye injili itapitia, mtakumbuka alikuwa anasema mimi napenda nikuwe na carte ya Afrika pamoja na mimi. La carte du monde. Na carte ya dunia pamoja na mimi. Et il a fait ça comme l'Évangile quitte l'est pour l'ouest en passant par le nord. Alifanya hivi kuonesha namna gani injili natoka ku asubuhi mukwenda ku magharibi mukupitia ku kaskazini. Et il dit le retour il doit descendre. Na nasema mkururia injili inapasha kuchuka. En descendant par le sud. Mukuchukia lwa kusini. C'est l'Afrique. Ni ku Afrika. Di personne. Anasema kuna mtu. Dans ce message. Mui ujumbe. S'il comprend Frère Branham. Kama anamuelewa ndugu Branham. Ne peut placer sa foi chez les Européens. Awezi kutia imani yake kwa watu wa kubulaya. Ni même chez les Américains. Wala kwa watu wa kuamerika. Nous n'avons pas une promesse comme ça. Atuna na malako ya vile. Toutes les promesses. Malako zote. Vont vers l'Afrique. Iko na elekea kwa Afrika. C'est l'Afrique qui a les dynamo. Nani Afrika njo ile mitambo ya moto. C'est l'Afrique noire, pas l'Afrique du Maghreb. Ni Afrika ya beushi. Hapana Afrika ya kule kuko bazungu batu beupe. Ou en Afrique du Sud où il y a. Wala ku Afrika kusini kule kuko beupe. Parce que vous allez remarquer. Njo mutatambua. Dans la vision des dynamo, mwile ono ya chombo ya moto. Frère Branham dit, je venais de finir la réunion de Durban. Ndugu Bama Shiba nilitoka kumaliza mkutano wa Durban. Et je vis ces noirs là. Na nikaona bale beushi bale. Très noir. Beushi sana zaidi. Donc c'est après l'Afrique du Sud. Manake ni kisha Afrika ya kusini. Comprenez ces choses. Mukuna elewa bibitu. Et Frère Branham voulait venir au Congo. Na ndugu Branham alikuwa anapenda akuye huku ku Congo. Mais Dieu n'a pas permis. Walakini Mungu akurusa. Les colonisateurs. Wenyewe walikuwa naongoza Congo mwakati ile. Ne l'ont pas permis. Hawakumurusa. Mais walakini il est arrivé. Arifika paka. Parce que wani je chevaucherai. Minta panda pa frasi tena. Je vais revenir. Taruria. Donc les réveils de dynamo. Manake ile amko ya mitambo ya moto. Je vous montre que le dynamo a des pièces. Tamionesha mitambo ya moto inakana bipande biwiri. Ya le rotor. Kuna kalaka kitu yenye kunaleta moto. Et ya le stator. Na kuna kalaka mitambo. Le retour de Frère Branham en Afrique. Alafu kururia kwa ndugu Branham mu Afrika. Il va amener le dynamo. Ataleta ile chombo ya kuleta moto. Deux pièces. Bipande biwiri. Ça ne sera pas un groupe de ministres qui dort d'un côté. Aita kwa kunji ya wanauduma wale wanalaria tu ngambo moya. Par exemple, seulement la puissance. Kwa mfano paka tu uwezo yo yenyewe. Mais ils ne connaissent pas les profondeurs. Walakini awajue maupana.
là c'est déclassé. Il est inatilua pembeni. Ça ne sera non plus les gens qui insistent seulement sur la parole. Aita kwa tena paka batu bale bona kazi ya paka tu paneno. Mais ils ne connaissent rien de la puissance de Dieu. Na wajue kitu hata kimoja kuhusu uwezo ya Mungu. Ça aussi c'est exclu. Ile nayo pia natiliwa pembeni. Les critères de ce groupe de gens dans la main de Dieu. Kanuni ya wale watu mkono ya Mungu. C'est quand vous allez voir les deux choses. Ni wakati mutaona bile bintu byote biwili. Le rotor. Ile moto. Et le stator. Na mitambo. La mécanique. Mitambo. Et la dynamique. Na moto. Des prédicateurs très profonds. Mubiri wa uketo kabisa. Mais aussi avec la puissance. Lakini eko tena na uwezo. Ça c'est des choses rares. Hein? Ibili bitu bila bipatikanake zaidi. Tu peux voir quelqu'un avec la parole. Naweza kuona mtu eko na neno. Sans puissance. Walakini ana na uwezo. Ou tu peux voir quelqu'un avec puissance. Mtu ule eko na uwezo. Mais sans walakini parole. Ana na neno. Mais ce groupe là. Walakini ile kikundi ile. Di dynamo. Ya mitambo ya moto. On va voir tout à l'heure, c'est la nouvelle chevelure de Samson. Ninyuele mupia ya Samsoni. La nouvelle chevelure de Samson. Ile nyuele mupia ya Samsoni. Était le dernier espoir de frère Branham avant de quitter la terre. Ilikuwa katumaini ya mwisho ya ndugu Branham mbele ya kutoka pa budongo. Il a dit ce groupe là viendra. Alisemaka ile kikundi ile takuya. Amen. Amina. Job qui cherchait Dieu. Yobo ula kwakana tafuta Mungu. Il est parvenu à faire un discours. Alifikia mkusema maneno fulani. Dans le livre de Job. Mukitabu kia Yobo. 23. Shina tatu. Si vous commencez depuis le premier verset, vous allez voir qu'il cherchait Dieu. Kama na nzia kutangia mwanzo utaona sema alikuwa anatafuta Mungu. Ici au verset 8, nous descendons. Huko mstari yake nane tunaendelea huko chini. Mais je vais à l'Orient, il n'y est pas. Kwa lakini nilienda kwa asubuhi asikuwako. Je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Nilienda kwa magharibi akukuwapo. Est-il occupé au nord? Eti anangai kuna makazi kule kukaskazini. Je ne puis le voir. Sikuweza kumuona kule. Se cache-t-il au milieu? Se cache-t-il au midi? Eti anafuchamia kusini. Je ne puis le découvrir. Sikuweza kumvumbula. Ça c'est Job. Uni Yobo. Il cherche Dieu à l'est. Anatafuta Mungu kwa asubuhi. Il n'est pas. A mpate. À l'Occident. Mangalibi. Il ne l'a pas trouvé. A kumpata. J'aimerais que vous puissiez vraiment approfondir des verbes que Job utilise dans ces quatre coins. Mwelewe mzuri kabisa imaneno Yobo anatumia kumakona yote inne. Parce que Dieu, Kwani Mungu, s'est déplacé aussi par les quatre points cardinaux. Alitembea pia kuile makona ine ya budongo. Job dit, Yobo anasema, j'ai cherché à l'est. Nilimutafuta kwa asubuhi. Il n'est pas. Anako. C'est-à-dire Dieu n'est plus à l'est. Manake Mungu asina tena kwa asubuhi. Mais souvenez-vous qu'il y était. Mkumbukeni ya kwamba alikuyakako. Mais Job dit, lakini Yobo anasema, il n'est pas à l'est. Ana kwa asubuhi. Je suis allé le chercher à l'ouest. Nilienda kumtafuta kumangalibi. En Occident. Mangalibi. Je ne le trouve pas. Si mupate. Pourtant il était là. Il est wakati alikuwako. Il dit mais je ne le trouve pas. Asema si mupate. Est-il occupé au nord? Eti ekona makazi kule kukaskazini. Je ne puis le voir. Sikuweza kumuona. En Europe non. Kubulaya hapana. Se cache-t-il au midi? Anafucha eti anafuchama kusini. Je ne puis le découvrir. Sikuweza kuvumbula. Parce qu'en réalité il se cache au midi maintenant. Mukweli hapa sasa anafuchama kwa subuku kusini. Dieu se cache au midi. Mungu anafuchama kusini. Mais il faut découvrir. Walakini napashwa kumuvumbula. Le verbe que Job utilise pour dire se cachant à midi,
se découvrir. Maneno ile Yobo anatumia njui ya Mungu anjifuchamisha kusini ni kumuvumbula. Oh, il faut que Dieu te fasse grâce. Ina pasha Mungu akufanyizie neema. Pour découvrir où il se cache à midi. Njoo uvumbule. Alishafuchamia wapi kusini? En Afrique. Wa Afrika. Qui peut dire amen? Sema amina. C'est profond. Ni ya ukezo. Le même Job dit au chapitre 37. Uyu Yobo moja moja anasema kusula yake ya 30 na 7. Verset 9. Il dit l'ouragan vient du midi. Anasema ile pepo ya makali inatokaka ku sini. Et le froid des vents du nord. Na ile baridi ya pepo ya kaskazini. L'ouragan. Ile maji ya kutomboka. Parce qu'elle se réveille. Kwani ile amko de l'Afrique. Ya Afrika. Est appelé l'ouragan. Inaitwa ile pepo kubwa kabisa. Vous connaissez l'ouragan? Najua ile pepo ya kutomboka ile. Ça va tellement balayer très fort. Itafyakia nguvu sana zaidi. Le veille de l'Afrique. Ile amko ya Afrika. C'est un grand ouragan. Ni ile pepo kubwa sana zaidi. Ce n'est pas une petite chose. Aina kakintu kaloko apana. Un ouragan. Ni pepo kali kabisa. Oh, merci Seigneur. Eh, asante Bwana. Luc 11:31. Luka 11 mstari yake ya 31. Ça c'est les paroles de notre Seigneur. Hii ni maneno ya Bwana wetu. Il dit, anasema hivi. La reine du midi. Ule malkia wa kusini. Se levera. Atalamkaka. Quand? Chikukani. Au jour du jugement. Kushiku ya hukumu. Avec les hommes. Na watu. De cette génération. Wa kile kizazi. Et les condamnera. Na atawa hukumu. Parce que. Kwa ni. Elle est venue des extrémités de la terre. Alikuyaka kutoka mapembe ya budongo. Pour entendre la sagesse de Salomon. Wajili ya kwa kusikia ile hekima ya Salomoni. Et voici. Na tazameni. Il y a ici plus que Salomon. Apa peko ule anamupitia Salomon. Amen. Amina. Et frère Branham. Na nduku Branham. A pris ce passage. Alichukua hiki kifungo. Il a prêché sur la reine du midi. Alihubiri kuhusu le malkia wa kusini. Et aussi il a prêché. Tena alihubiri. Il y a maintenant ici. Apa sasa. Peko apa. Un plus grand que Salomon. Wa mkubwa kupitia Salomon. Il est où? Eko wapi? Ici. Apa. Pendant qu'il disait ici, wakati ya kwana sema apa, c'était un homme chauve derrière la chair. Ilikuwa mtu wa riba la kumimbari. Qui peut dire amen? Sema amina. Il y a maintenant ici un plus grand que Salomon. Apa sasa. Apa peko mtu wa kupitia Salomon. Et c'est dans l'une des prédications. Ni mmoja kati ya mahubiri. Sur la reine de Seba. Kuhusu malkia wa Seba. Ou la reine du midi. Wala malkia wa kusini. Que je vous ai lu les semaines passées. Yo nilisomea mawiki iliyopita hii. Ya kwamba. Les Américains regardent la chose. Wana Amerika wana tazama ile kitu. Ils appellent ça du diable. Weko naita sema ya shetani. Il dit mais lorsque cette chose. Lakini anasema wakati. Le discernement du fils de l'homme. Ufafanuo ya ule mwana wa mtu. Que ça arrive en Afrique. Wakati tafika mu Afrika. Au Congo belge. Ku Congo belge. A Tanganyika. Ku Tanganyika. Ces gens-là. Bale bantu bale. Vont jeter leurs idoles. Batatupa masanamu yabo. Et ils vont s'accrocher à la chose. Na batakumbatia ku hiki kintu. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli. Pourquoi parlant de cette reine, frère Branham va introduire l'Afrique, le Congo, Tanganyika. Mukusemea ule malkia, ndugu Branham atasemea Afrika, anataya Congo, anafika mkutaya paka na Tanganyika.
où le réveil du fils de l'homme va amener un ouragan. Qui peut dire amen? C'est ma mina. Or, dans l'histoire, la reine, la cette femme-là, est venue d'où? Aritokea wapi? Elle apporta à Salomon de l'or. Arimuleteaka Salomon zabu. À l'est du Congo. Wasubui ya Congo. À Durba. Kule ku Durba. Vers Bunia. Mukwenda lengambo ya Bunia. Dans des forêts. Mule mapori. Il y a des grottes. Muko bishukulu. Avec des écriteaux anciens. Na miandiko ya zamani. Du passage de la reine de Seba. Mukupita mukonesha sema Malkia wa Seba alipitiaka hapa. Cette femme venait de l'Éthiopie. Ule mwanamke ule alikuwa anatokea ku Ethiopia. Et dans l'ancienne carte, na mukarti ya zamani, ce qu'on appelait Éthiopie en ce temps-là, il est balikwaka naita Éthiopie zamani, c'est la RDC. Jo RDC ya leo. C'était l'or du Congo. Il y a ni zayabu ya ku Congo. Que la reine a apporté à Salomon. Il est malkia arimupelekea ka Salomon. Ça c'est dans le naturel. I ni mukiasili. Et dans le spirituel. Na mukiro. Lorsque frère Branham actualise la chose. Wakati ndugu Branham anakuisha kile kintu kipya. Sur la reine du Midi se levera. Kuhusu le malkia kusini atalamka. Branham cite le Congo. Branham anataya Congo. Qui peut dire amen? Sema mina. Il cite Congo. Anataya Congo. Il cite Tanganyika. Anataya Tanganyika. Là où l'ouragan va pousser. Basi ile mpepo mkali tatenkesha. Amen. Amen. Je ne crois pas. Mishamini. Parce que frère Branham il a dit. Kwani ndugu marisema. Les Africains. Wana Afrika. Viendront ici en Amérique. Watakuya huku ku Amerika. Ils vont prêcher l'évangile. Wataubiri injili. Et vous serez étonnés. Na mutashanga. C'est la vérité. Dans les types. Mumifano. La reine n'est pas allée que mander en Orient. Malkia akwende kulomba lomba kule ku asubuhi. La reine Malkia était bien calée. Alikuwa na vitu yake mzuri kabisa. L'or était. Zahabu alikuwa nayo. Il avait des travailleurs. Alikuwa na wafanyakazi. Elle était bien assise. Alikuwa na pesa kabisa. Qui peut dire amen? Sema amina. Les ministres africains. Watumishi wa ku Afrika. Ils doivent apporter les réveils. Wale wanapasha kupeleka amko. Ne seront pas des mendiants. Hawatakuwa wabulombo. Ça doit être des gens bien assis. Il n'a pas chaque fois watu wenye namuna. Avec l'or du Congo. Na zahabu ya Congo. Avec le minerai du Congo. Na madini ya Congo. Ils ne partent pas là-bas que mané. Abaende kule kulomba lomba. Ils partent témoigner. Lakini wanaenda kushudia. Amen. Amen. Yeah. Et ces gens-là na bale bantu bale manipulent la profondeur de la parole beko na tumia upana wa neno accompagné de la puissance ilio sindikizwa na uwezo. C'est ça leur identité. Il est njo kitambulisho yabo. Parce que ce réveil-là c'est le dynamo. Wani ile amko ile ni chombo ya moto. Amen. Amen. Oh my. Hey my. Na Isaïe 18, il est dit. Mwisaya 18 imesemwa. La terre où retentit le cliquetis.
Udongo wenye des armes. Là où retentit les cliquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le prophète Esaïe. Nabi Isaïe. Donne même la précision. Analeta na kikisho yote. Il s'agit de la terre. Asima ni bulongo. Où il y a les cliquetis des armes. Ashile kubo kuria kwa masashi. Dans des fleuves de l'Éthiopie. Mule mumuto ya Éthiopie. Au nord, il n'y a pas de fleuve. Kukaskazini hakuna muto. C'est le désert. Ni jangwa. Au sud, il n'y a pas de fleuve. Kusini hakuna muto. Ce sont des déserts. Ni majangwa. Ça, c'est le centre. Hii ni katikati. Et l'ancienne Éthiopie. Na Éthiopie ya zamani. C'est la RDC. Ni RDC ya leo. La RDC. RDC. Là où il y a les crépitements de ile kwa na ria masashi. De guerre. M'invita un pays meurtri de guerre. Inche yena yala n'invita. Mais walakini, dans la volonté de Dieu. M'apaisi ya Mungu. C'est un pays de l'ouragan. Ni inchi ya pepo kubwa. C'est pays de guerre. Ni ile inchi ya invita. C'est dans ce pays. Ni mwile inchi mule. Qui y a le réveil. Njomuko amko. Qui peut dire amen. Sema mina. Malgré nos guerres. Aizuru m'invita yetu. Nous sommes dans le programme. Tout comme ma peau. Le réveil de la reine du midi. Il est amko ya malkia wa kusini. C'est aussi le réveil de l'éléphant. Tena ni amko ya ntembo. RDC. RDC. Je décourage tous les négatifs. Na poteza nguvu wale wote. Je suis en train de décourager les négatifs. Niko na poteza nguvu ya bile vyote vya kuturudisha ku Mkongo. Qui prêche? Bale bona ubiri asema que ce pays ne va jamais s'évoluer. Asema hii nchi haitendekaka. Je vous décourage. Na mipoteza moyo. Je vous dis. Na mielezea. À la démonstration de la prophétie. Mumaonekanisho ya unabi. Ce pays. Inching. A un programme avec Dieu. Iko na mapo na Mungu. L'économie de ce pays. Akiba ya inji. Va devenir stable. Itashimama imara. Parce que derrière ça. Wani nyuma ya ile. Le Seigneur a le plan du réveil. Bwana eko na mapo ya amko. Il faut des moyens. Inatakiwa namuna. Pour que ces gens-là. Tubale bantu bale. Puissent aller traverser des frontières. Bende bakavuke mipaka. Qu'ils puissent traverser des océans. Bavuke mabahari kubwa. Traverser des mers. Bavuke mabahari. Pour apporter les grands ouragans. Ajili ya kuleta ile upepo kubwa. Et me basant sur la prophétie. Na mukuikaria pa unabii. RDC. Mina sema RDC. Ne perds jamais l'espoir. Ushipoteze kamwe tumaini. Dieu. Mungu. A un plan avec ce pays. Eko na mapo na inchi. Qui peut dire amen? Sema mina. Et parlant de la RDC. Na kusemea RDC. Reçoit particulièrement. Pokea kwa upeke. Particulièrement. Quoi ou péché? Ces grandes bénédictions. Ibaraka kubwa. Qui peut dire alléluia? Et alléluia. Qui peut dire je le reçois? C'est ma vie de poké. Que Dieu change vos situations. Mungu abadirishe ma mambo zenu. Qui est des hommes millionnaires ici? Apa kukue wa millionaire apa. Même des femmes millionnaires. Ata banamuke na banaume ba millionnaire apa. Pour pousser. Kwa ajili ya kusukuma. Les garçons noirs. Ule kija bale babiana beushi. Les garçons noirs. Ule kiana moushi. Keep
protège la voix d'Élie. Ule kona linda sauti ya Elia. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors voyons quelque chose. Basi tuone le kitu ingine. Pasteur Miché, Dieu te bénisse. Mchungaji Miché, Mungu akubariki. Une église séduite par le monde. Kanisa iliyotongoze wana dunia. Ça, ce n'est pas la prédication des évangélistes. Hii aina mahubiri ya wainjilisi. Cette prédication, c'est une prophétie. Hii mahubiri ni unabii. Les évangélistes nous ont fait ça avec cette prédication. Wainjilisi walitufanya hivi na hii mahubiri. Frère, tu es une église séduite par les ndufu, wewe kanisa iliyotongozewa na dunia. Samson, Delila, un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Il commence à regarder gauche droite. Anaanza kuangalia kushoto na kulia. Les Philistins sur toi. Delila. Wao wanakutokelea Delila. No. Amna. Même si il y a Delila là-bas, atakama kuko Delila kule, il y a les Philistins. Kuko wa Filistini. Mais c'est toute une prophétie que Frère Branham était en train de donner. Kwa lakini kuwaka ni unabii ile ndugu Branham alikuwa eko na leta. Il montrait l'état de l'église après son départ. Alikuwa akionesha hali ya kanisa kisha kwenda kwake. Au paragraphe 76, il dit Samson. Kukifungu yake sabini na sita anasema Samson. Les Philistins sont sur toi. Wa Filistini wao wale wanakutokelea. Branham tabernacle. Maskani Branham. La mondanité est en train de s'infiltrer au milieu de vous. Kidunia iko na ingia katikati yenu. Le Branham tabernacle a commencé à suivre les femmes. Maskani Branham anza naturellement comme ça. Anza kufuata banamuke hivi mkiasili. Non. Amna. Mais il s'agit de quelle femme? Kwa lakini iliangalia mwanamke gani? Qui est cette Delila là? Ule Delila ule ni nani? Avez-vous dévoilé votre secret? Eti mulitoshia peupe siri yenu? Avez-vous dévoilé ce secret que Dieu vous a donné? Eti mulitoshia peupe ile siri Mungu alimipatiaka? Lorsque vous vous rouliez là dans la suie il y a quelques années. Wakati mulikuwa najitumbukiza mu machafuko kule kuko miaka chache. L'avez-vous laissé vous échapper par une adoration mondaine et formaliste? Edi muliache na miepuka kupitia kuabudu kwa kidunia na kwa kidesturi. Que vous est-il arrivé? Ni mambo kanilimifikia. Dieu peut descendre. Mungu anaweza kuchuka. Accomplir un miracle. Anatimiza mjiza. Parcourir carrément tout l'auditoire. Anazunguka kabisa mkanisa yote. Révéler aux gens les secrets de leur cœur. Anafunulia batu masiri ya mioyo yao. Guérir les malades. Anaponesha bagonjwa. Et les affligés. Na waliotesa. Accomplir des miracles et des prodiges. Anatimiza miujiza na maishara. Et prêcher aussi durement sa parole. Na anahubiri na nguvu yote kabisa neno lake. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Les gens diront. Bantu batasema. Eh bien. Basi. Je pense que ce n'est pas mal, hein. Nafikiri hakuna tu bubaya. Nous aimons bien entendre ça de temps à temps. Tunapendaga kama wakati ngine kushikia kobia hivi. Si nous ne sommes pas trop fatigués. Kama tu hatuna banyi kuchoka kabisa. Ça célèbre Branham tabernacle. Injo maskani Branham. Les Philistins sont sur toi. Wa Filistini wao wale wanakutokelea. Approfondissez ça. Muchimbe hii. Donc il prend des miracles d'un côté, la prédication de la parole d'un côté. Manaki anachukua miujiza ngambo moya, mahubiri ya neno ngambo ingine. Il dit mais les Branham tabernacle. Anasema maskani Branham. Les gens vont dire. Watu watasema. Ah bon, c'est pas mal, hein. Basi, hapana tu ubaya. Oh, eh. Frère, nduku, on révèle les choses qui devaient te réjouir, toi qui es dans ce coin de Tanganyika. Weko nafunua bintu bile binapasha kukufurahisha weye ule uko mtanganyika. Mais walakini tu trouves bon, c'est normal. On a dit bon, hapana ta mambo. Oh. Iko tu sawa.
Ah, mais pourquoi le pasteur veut insister là-dessus? Mais c'est le programme de Dieu. Célébrana, maskani brand. Wakati upako inashika watu wanadibunguluza. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Sasa ni mambo kani na kufikia. Aujourd'hui là, quand quelqu'un est sous l'onction, leo hapa kama mtu weko chini ya upako, les autres s'étonnent. Bengine beko na shanga. Voilà la chute de l'église. Mwangalieni kuanguka kwa kanisa njoo kule. L'église est séduite par le monde. Kanisa inatongozewa na dunia. Ils sont devenus formalistes. Banakuwa baki desturi. C'est ce que Frère Branham dit là. Njo kile ndugu Branham anasema. Et il dit ça célébrera Branham. Njo maskani Branham. Parenthèse. Nafungula mlango. Tu vas me demander à moi El Rash, un homme bien instruit. Utanyuliza mimi William Branham. El Rash mtu mwenye alishafundishwa mzuri na William Branham. De prendre le Branham Tabernacle qui est là-bas comme mon modèle à moi. Nichukue ile maskani Branham mikukule sa vile mfano yangu mimi. C'est le manque d'enseignement. Ile ni kukosa kwa mafundisho. Parce que Branham a souligné, il a vu les Philistins sur le Branham. Branham alikazisha kabisa, aliona wa Filistini yulu ya maskani Branham. S'il y a des programmes qui sont contraires à ce que Frère Branham a dit, c'est parce que les Philistins sont sur le Branham Tabernacle. Kama kuko mapu ya kuachana na ile ndugu Branham alisema ni kwani wa Filistini weko yulu ya maskani Branham. Branham dit emmagasiner et distribuer cette chose. Branham anasema mchungeni muakiba kisha mugawanye ibi bintu biwiri. Branham emmagasiner. Branham alichunga muakiba. Il dit mais s'il faut utiliser la même prédication là pour distribuer, ça te prendra même une semaine. Kama napasha kutumia ile mahubiri moya moya kwa ajili ya kuigawanya, itakuchukua hata wiki mzima. Parce qu'il faut un peu ici. Si napasha kubeba tuloko huku. Un peu là-bas. Unabeba tuloko kule. Vous prenez dans le dépôt. Unabeba ni muakiba. Maintenant, vous prenez seulement ce qui était emmagasiné, vous faites écouter aux gens. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Wewe unabeba pale ile bachunga muakiba, unaanza kushikilisha bado. Ni kazi kani unafanya? Ça ce n'est pas le plan de distribution. Ile haina mapo ya kugawanya. Parce que William Branham lui-même le magasinier en chef. Kwani William Branham yeye mwenyewe mtiakiba chef. Il a laissé le plan de distribution. Aliacha mapo ya kugawanya. Il dit la même prédication qu'on a donnée à ta foi. Ile mahubiri moja moja barileta. Pour distribuer ça prendra même une semaine. Kwa ajili ya kugawanya itachukua hata wiki mzima. Qui peut dire amen? Sema amina. Voilà. Jovile. Il faut le ministère. Inatakiwa huduma. Celui qui donne le plan de distribution c'est Frère Branham. Ule konaleta mapo ya kugawanya ni nduku Branham. Qui peut dire amen? Sema amina. Il dit les Philistins sont sur toi. Anasema wa Filistini weko juu yako. Autrefois, Zamani, lorsque la parole était prêchée, wakati balikuwa na ubiri neno, les vieux saints, wale wazee watakatifu, les larmes coulaient aux yeux, machozi ilikuwa na navuya kumecho yabo, ils se levaient, balikuwa na simama, et marchaient. En sanglotant, kuvuya machozi, peut-être sans un mot, sa zingine bila kusema ta neno moya, mais ils étaient là, walakini balikuwa pale, deux ou trois fois, mala mbili wala mala matatu, anazunguluka, puis ils se rassaillent, anaikala, ils étaient tellement remplis de Saint-Esprit, walikuwa kwenye kuchaziwa sana kabisa na Roho Mtakatifu, la parole les nourrissait, neno ilikuwa kana walisha, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi tu kwa mukate tu, mais de toutes paroles. Lakini kwa neno yote il sort de la bouche de Dieu. Yeye natoka mkinywa kwa Mungu. Il répète encore. Anasema tena. Les Philistins sont sur toi, Branham Tabernacle. Wa Filistini wako yulu yako, maskani Branham. Et si les Philistins peuvent être sur les Branham Tabernacle,
fellowship va échapper en quoi? Na kama wa Filistini wanaweza kuwa yulu ya maskani Branham, fellowship atepuka munini? Uniwe va échapper en quoi? Wala niwe itaepuka munini? Son église là où lui se tenait. Kanisa yake mule yeye mwenyewe alikuwa na shimama hapo. Mais il voit. Kwa lakini anaona. L'envahissement par des Philistins. Kubengiriria kwa Wafilistini. Mes amis, barafiki yangu. Et mon Dieu plus que tout. Tupendeni Mungu kushindia vyote. Plus que tout. Kushindia vyote. Parce que entrer dans la dénomination, c'est simplement quelques secondes. Ni dakika tu chacho utashtuka kisha ingia muzeebu. Et il continue, il dit, les Philistins sont sur vous, les Pentecôtes. Anaendelea anasema Wafilistini wako yulu yenu, nini wa Pentecôte. Les Philistins vous ont attrapé. Wafilistini wana milumbata. 79. 79. Alors, basi, un réveil en notre temps. Amko mwakati yetu. Il pose la question. Anaswali. Un réveil en notre temps. Amko mwakati yetu. Comment pouvons-nous l'avoir? Namna gani tunaweza kuipata? Alors que le véritable donateur de réveil, ile wakati mwenye anakabulaka vya kweli amko, est lié par le monde. Epo mwenye kufungwa na dunia. Ce n'est pas le monde de la boisson. Aiko dunia ya mapombe. Mais ne vous conformez pas. Lakini musidilinganishe à ce monde. Na hii dunia. C'est-à-dire mana yake les églises. Makanisa. Vous écoutez la profondeur des choses. Munaishikia upana wa vitu. Mais ton sentiment humain. Lakini nia yako ya bumutu. Te fait regarder les églises. Inakusukuma unaangalia makanisa. Est-ce qu'avec les choses que nous écoutons, est-ce que les églises vont nous aimer? Ibi bintu ibi tuku nashikia ile makanisa ingine kweli batatupenda? Est-ce que ils vont être avec nous? Eti batatukubali batachukua pamoja na shehe? Hapana. Ne vous conformez pas à ce monde. Mushidilinganishe na hii dunia. Dans ce sacerdoce là. Muiki kohani iki. Dieu vous appelle un peuple particulier. Mungu anamiita taifa ya kipekee. Un peuple mis à part. Taifa iliyotiliwa pembeni. Un sacerdoce royal. Kikohani cha kifalme. On ne peut pas se conformer aux églises. Hatuwezi kutulinganisha na makanisa. Celui qui est censé apporter le réveil. Ule mwenye anapashwa kuleta amko. Le donateur de réveil. Mwenye analetaka amko. Est lié par le monde. Baisha mufunga kwa maduni kwa dunia. Le système de l'église. Matengenezo ya makanisa. Tu es là? Unanyelewa? Amen. Amina. Febranam. Doko Branham. Si tu n'étais pas venu. Kama tu aukukuyake. Les églises du message commencent à copier les églises protestantes. Makanisa ya ujumbe inaanza kufuatirisha makanisa ya kiporo. Ou encore les pentecôtistes. Wala ya kimpenta. Des choses interdites dans le message. Bitu bilio kataziwa mujumbe. Mais les gens du message l'admettent. Eh, batu ba mujumbe bananza kubikubali. Tout bonnement. Kwepesi tu. Tout simplement. Kwa lakini tu. On accepte. Wanakubali. L'inacceptable. Bile abikubaliwe. Frère Branham a tout tracé. Ndugu Branham alitayarisha biote. La conduite de l'église, mwenendo ya kanisa, le baptême, ubatizo, le placement de l'église, kutiliwa kwa kanisa, tout Branham a tout établi. Biote Branham alitia biote. Et vous ne devez pas quitter ce que Branham a dit. Na amupasha kutoka mubile Branham alisema. Centre bonnement. Na inanja kuingia tu pole pole. Et les gens disent il y a pas de mal à ça. Na bantu wanasema hapana tabu baya.
une église séduite par le monde. Kanisa iliyotongozwa na dunia. Et parmi eux, il y a des gens sanctifiés. Na kati yabo kuko batu balio takasiwa. Tu n'as pas à les reprocher du péché. Auta waekemea mambo ya zambi. Des gens qui marchent correctement. Watu wale wanaishi usawa kabisa. Mais un démon. Walakini démon. Parce que Branham dit un démon, c'est un séducteur. Wani Branham asema démona ni mutongozi. L'église Kanisa qui est censée donner le réveil yengele na pashwa kuleta amko est séduit ilisha tongozwa le raisonnement humain mafikiri ya bumuntu. Vous regardez de même, ça c'est n'est pas la parole nuku ngali aya na neno ça c'est pas Branham n'a pas dit comme ça ndu Branham akusema yo hivi. Il dit, anasema, Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. Mungu atakuya katashi kumoya fashi ile peko kidunia. Vous pouvez en être sûr. Unaweza kuwa na kikisho kabisa kwa ajili ya ile. Quand vous commencez à agir comme le monde. Wakati unaanza kutenda kama dunia. C'est fini pour vous. Wako kunaishia pale. Lorsque vous brisez toutes les chaînes qui vous lient au monde. Wakati unavunja minyololo yote na kuunga kudunia. Et que vous venez à Dieu. Na unakuya kwa Mungu. Alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettez. Mungu atakutumikisha mpaka na pale utajitolea kwake. Après avoir fait toutes les déclarations sur le Branham Tabernacle. Kisha yeye kusema ile maneno yote ile kuhusu maskani Branham. Au paragraphe 80. Ukifungo yake ya 80. Il dit mon seul espoir ce matin. Asema tumaini yangu moja tu asubuhi ya leo. Pour terminer mon message. Kwa ajili ya kumaliza mahubiri yangu. Le voici. Yo hii. Pendant que Samson était lié. Wakati le Samson alikuwa mwenye kufungwa. Une nouvelle chevelure a poussé. Nywele mupya iliota. Kitani alléluia. Sema alléluia. Le seul espoir de William Branham. Il est tumaini moja tu ya William Branham. Pendant que le Branham Tabernacle est lié. Wakati le maskani Branham inafungwa. Une nouvelle chevelure. Nywele mupya. Est en train de pousser. Iko nenda na kuota. Les Philistins. Wa Philistini. Ne savait pas. Awakukwena jua. Que dans la repentance de Samson. Katika kitubio kya Samsoni. Là dans la prison. Mule mubuloko. Une deuxième gloire avait commencé à pousser. Utukufu ya piri ilianza kuota. Qui peut dire amen? Sema mina. Je te dis à toi. Mina kueleze ya weye. Dieu prévoit toujours. Mungu kila mara anatayarishaka. Une deuxième grâce. Nema ya piri. Qui peut dire amen? Sema amina. Si tu as eu des moments. Kama ulipata mawakati. Que tu n'as pas su gérer. Ule ulishinda kuongoza mzuri. Et que le malheur est venu. Na ole ilikufikia. Entre seulement dans l'esprit de repentance. Ingia tu katika roho ya kitubio. Qui peut dire amen? Sema amina. Si tu rentres dans l'esprit de repentance. Kama unaingia katika roho ya kitubio. Dieu prévoit. Mungu anatayarisha. Une deuxième gloire. Utukufu ya pili. Sera plus glorieux. Yenye itakuwa ya utukufu kabisa. Que la première. Kushindia ya kwanza. Qui peut dire amen? Sema amina. Lorsque les Philistins. Wakati wa Filistini. Danse. Walikuwa wanacheza. L'honneur à Dieu Dagon. Mukupatia heshima kwa ule Mungu Dagon. Parce que ils ont vu que c'est fini. Ndio waliona sema kunaisha sasa. On les a fermé la bouche. Wana wafunga kinywa. C'est terminé. Kunaisha sasa. Mais Samson là dans la petite pièce. Samson mule mkachumba kadoko. Seigneur pardonne-moi. Bwana unisameko. J'ai mal marché. Nilitembea mubaya. Je te promets. Nakulaka sasa.
Si tu me fais encore confiance, cette fois-ci, je vais bien faire. Et chaque fois qu'il disait ça, les cheveux poussaient. Qui peut dire amen? Les cheveux poussaient. Et chaque matin, il pouvait mesurer le niveau, les degrés, burefu, la hauteur, kipimo. Et l'autre matin là, na ile asubuhi ingine ile, il dit ça y est. Anasema hapa nywele nene ya sasa. Avec cette quantité, na ibwingi ya nywele hii, je sens les secousses. Mina shikia kutingizika. Et quelque chose va arriver. Na kitu moja itafika. Alléluia. Alléluia. Laisse que tu ne sors pas ce matin. Acha ushitoke hapa asubuhi ya leo. Tu puisses sentir les secousses. Upate kushikia matetemeko. Hey. Alors, sasa il va au temple. Anaenda kuekalo. Un vieux n'a pas aidé Samson. Mzee akusaidiaka Samsoni. Dans la nouvelle chevelure, mule munywele mupia, c'est le ministère d'un jeune homme. Ni uduma ya kiana. Il dit jeune homme, anasema kiana, conduis-moi, unyongoze, dirige-moi, unipeleke. Qui peut dire amen? C'est ma mina. Même si tu as 60 ans, 70 ans, dans la nouvelle chevelure, katika nywele mupya, ne regarde pas ton âge. Ushitazame kumiaka yako. Soyez humble. Kuya munyenyekevu. Et sincère. Na munyofu. Et jeune homme. Sema kiana. Conduis-moi. Unyongoze. Conduis-moi où? Unyongoze wapi? Au depoto. Kuile miamba mbiri. Pourquoi depoto? Nini miamba mbiri? Parce que c'est le dynamo. Kwani ni chombo ya moto. Dans le dynamo. Chombo ya moto. Il faut le roto. Inatakiwa moto. Il faut le stato. Inatakiwa mitambo. Sema aleluya. Yes. Dio. Il faut la parole. Il attaquiwa neno. Il faut la puissance. Il attaquiwa uwezo. Il faut la mécanique. Il attaquiwa mitambo. Il faut la dynamique. Il attaquiwa moto. Il faut la prédication. Il attaquiwa maubiri. Il faut le surnaturel. Il attaquiwa ya kiro. Et le jeune homme la conduit. Na ule kijana rimuongoza. Il a touché les deux poteaux. Aligusa ile miamba mbiri. Et c'était fini. Na kurishia pale. Branham dit. Branham anasema. Je termine. Miko na maliza. Mais mon seul espoir. Lakini tumaini yangu moja tu. C'est la nouvelle chevelure qui a poussé. Ni ile nywele mupya ile iri. Ota. Hey. Hey. Merci Seigneur. Accenti Bwana. Merci Jésus. Accenti Yesu. Est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois? Et tu n'as pas osé ma malengine tena. Ça c'est le réveil de encore une fois. Ini amko ya malengine tena. Et dans encore une fois. Na malengine tena. Si tu as perdu le spirituel, reçois. Kamo ripoteza ya kiro uipoke. Si tu as perdu même l'argent, reçois. Comment l'hypothèse qu'a fait Pessa Pokea? Quoi que tu aies perdu. Quelqu'un de qui l'hypothèse? Mariage, Dora, Pessa. Spiritualité. Yakiro. Reçois-le. Pokea yo. Elle déclare. Mina itakaza. Au nom de Jésus. Jina la Yesu Christo. Encore une fois. Malengine tena. Encore une fois. Malengine tena. Encore une fois. Malengine tena. Yes! Dio! Même
toi qui n'as jamais reçu quelque chose. Ata wewe ule haujapokeaka kintu. Entre dans ce réveil là. Ingia muri amko. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Merci Jésus. Aksanti Yesu. Le Dieu de Branham est bon. Ule Mungu wa Branham eko mwema. Très très bon. Eko butamu kabisa. Mes déclarations. Maneno langu. Sorte après que sa présence soit déjà là. Inatoka kisha kufika kwa uwepo wake. Oh Dieu. Mungu. Avant que n'arrive la fin des temps. Mbele mwisho ya wakati ifike. Envoie-nous une autre église. Ututumie kanisa ingine. Envoie-nous quoi? Ututumie nini? Une autre église. Kanisa ingine. Restez à la maison. Munabakia kunyumba. Ou bien vous vous regroupez quelque part. Wala munakusanika fasi fulani. Vous dites nous suivons le programme de Bando Branham. Munasema tunafuata mapo ya utepe kumaskani Branham. Alors que lui, ile wakati yeye mwenye Branham a dit, alisema, envoie-nous une autre église. Ututumie kanisa ingine. Vous voyez comment les gens sont aveugles. Munaona vile batu banapofushwa. Frère Joseph Branham. Nduku Joseph Branham. A bien fait de nous garder le dépôt. Arifanya muzuri mukutuchungia ile akiba. Parce que comment même Joseph est venu? Kwani wakati Joseph alikuya? Comment il est venu? Alikuwa Joseph alikuwa namna gani? Branham lisait l'histoire de Joseph en Égypte. Branham alikuwa eko nasoma historia ya ule Yosefu wa Mumisri. Comment au moment de la famine? Namna gani wakati wa njala? Il a tenu des dépôts. Ule Yosefu wa Mumisri alichunga maakiba. Frère Branham a bien aimé ça. Na ndugu Branham alipendaka mzuri sana ile andiko. Et Dieu lui a dit. Na Mungu akamwelezea. Ne t'en fais pas. Usijali. Je te donnerai un fils. Nakupatia na wewe mtoto mwanaume. Si le nommera Joseph. Utamupanga jina ya Joseph. Il sera prophète. Atakuwa nabii. Donc c'est pour garder la nourriture. Ni kwa ajili ya kuchunga chakula. Et ça il a bien fait. Na ile kazi alifanya mzuri. Et il est devenu pasteur au Branham Tabernacle. Na akakuya mchungaji kumaskani Branham. C'est fini. Kunaisha. S'il veut aussi participer à la distribution. Kama na ye anapenda kufanya ile kazi ya kukabula. Il doit suivre les plans. Anapasha kufuata mapo. Une prédication donnée à 3h ou 6h. Mais pour la distribuer. Ile barileta masaa 3 wala 6 kwa lakini kwa ajili ya kuigawanya. Il faut que ça prenne même une semaine. Inatakiwa ichukue hata wiki mzima. Parce qu'on doit prendre ici. Tu anapasha kuchukua huko. On doit prendre là-bas. Anapasha kuchukua kule. Anapasha kuchukua na kule. Ce plan là il n'a pas encore suivi. Ile mapo hajaifuata. Peut-être son rôle ça ingine kazi yake s'arrête à garder inekariria paka mukuchunga ile akiba. Et quand il nous donne les bancs, na wakati anatupatia mautepe, il nous donne ce qu'il a gardé. Anatupatia kila alichunga. Mais ce n'est pas ça distribuer. Lakini ile haina kugawanya. Qui peut dire amen? Sema amina. Amen. Mais le prendre sasa kumchukua. Comme quelqu'un qui doit donner des ordres. Savile mutu na napasha kwanja kuleta mipango. À toutes les pouces dans le monde. Wa bibi arusi yote mudunia mujima. C'est une église séduite par le. Ile ni kanisa iliyotongozwa na dunia. Branham Tabernacle, les Philistins sont sur Maskani toi. Branham wa Filistini walisha kukutokelea. Et je crois que c'est un enfant de Dieu sauvé. Na mimi naamini ya kwamba yeye ni mtoto wa Mungu ule alisha kuokolewa. Nous ne quitterons pas la terre. Atutatoka pa bulongo. Il va comprendre ça. Ataelewa ile. Il va comprendre ça. Ataelewa ile. Mais les pauvres africains qui devaient être des garçons noirs. Kwa lakini wana Afrika wa mashikini wa benyewe wale walipasha kuwa vijana weushi. Pour donner la nourriture.
kwa ajili ya kugawanya chakula bien préparé kuipika mzuri à cette église là ile kanisa ile ils sont distraits bo barisha lengama peut-être ils ne sont pas distraits ils ne sont pas appelés sangine abana benye kulengama abayabaita njo qui peut dire amen c'est ma mina qui peut dire alléluia c'est ma alléluia oh c'est profond. Il dit Seigneur, envoie-nous une autre. Anse ma buana tutumie kanisa ingine. Qui pourra recevoir la puissance du Saint-Esprit? Ile inaweza kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Avec la démonstration de l'Esprit. Na maonekanisho ya Roho. Marc 16 pourra l'accompagner. Marco 16 anaweza kumpeleka. Acte 2. Matendo ya pili. Tout cela pourra accompagner constamment. Yote ile naweza kumpeleka wakati yote. Le miracle, le prodige accompagnait les apôtres. Miujiza na maishara ilikuwa inapeleka wa mitume. Pendant que nous sommes en prison assurément. Asema wakati tuko korokoroni hakika. Dieu Mungu est en train de faire pousser une courte chevelure quelque part. Eko naotesha nywele ingine fwashi moya hivi. Il ne dit pas que ça pousse ici en Amérique. Ashiseme kwa ajili ya Amerika. Il dit cela est en train de pousser. Anasema ile nywele iko naota quelque part. Fwashi moya hivi. En vue kwa ajili de la dernière mise à mort. Ya mwish la dernière mise à mort dans les derniers réveils. Kwa ajili ya amko ya mwisho. Qui peut dire amen? Sema amina. L'espoir de frère Branham. Tumaini ya ndugu Branham. C'est la nouvelle chevelure. Ni nywele mupya. Cette nouvelle chevelure. Na bila nywele mupya. Pousse quelque part. Asema ile nywele mupya iko na ota fasi moja hivi. Quelque part. Fasi moja hivi. Quelque part. Fasi moya hivi ile nywele iko na ota. Vous devez être fier. Munapasha kuwa na fieri. Parce que Dieu te connaît. Njo Mungu anakujua. Que tu sois participant de cet ouragan. Vile uko mwanashiriki wa ile upepo kubwa. C'est grand réveil. Ile amko kubwa. J'ai besoin de beaucoup de voix. Niko na lazima imani ya ma sauti ya mingi. Nuna lazima sauti ya mingi. Okay, ma voix soit entendue partout. Ju hii sauti yangu baishikie fwashi yote. Comment je suis en train de donner le programme de Dieu. Vile niko naleta mapo ya Mungu. Que papa Branham a tracé. Ile baba Branham aritayarisha. Samanini na mbili. Oh Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Créateur des cieux et la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Auteur de la vie éternelle. Mutenzi wa uzima ya milele. Donateur de tout don excellent. Nyana kabulaka zawadi yote bora. Et spirituel. Na ya kiroho. Prends ces paroles ce matin. Chukua hii maneno asubuhi ya leo. Place-les dans le cœur. Uitie mumyoyo. Et arrose le Seigneur. Na uimimie Bwana. Puisse les gens prier au sujet de ces choses. Watu wapate kuomba kuhusu ibibintu. Ces choses. Ibibintu. Vous devez prier pour ça. Munapasha kubiombea. Puissent les gens prier au sujet de ces choses. Watu wapate kuombea ibibitu. Voyant que le monde a courtisé l'église. Mukuone akusema kidunia kinafuata-fuata kanisa. Et a finalement découvert sa puissance. Na kinavumbula uwezo wake. Trouver son lieu secret. Na anavumbula fasi yake ya siri. Trouver où se loger son secret. Inavumbula fasi parikuwa siri yake. Et le lui a enlevé. Na dunia na mnyanganya. Il s'est emparé de gens. Dunia na shika watu. Qui autrefois criaient victoire. Watu wale zamani walikuwa na lalamika ushindi.
qui autrefois avaient la victoire. Wale watu zamani walikuwaka na ushindi. Il les a complètement dépouillés. Dunia inawanyanganya biote. Si bien que mule kipimo, il reste chez eux mercredi soir regarder la télévision. Bananza kulofu wanabakia mkazi tatu kwabo mangaribu mkuangalia télévision. Cela a ôté de leur cœur la joie. Ile inaondoa mumyoyo yabo fura. Leur a donné davantage d'amour pour le monde. Inabapatia mapendo sana zaidi kwa ajili ya dunia. Ils n'en ont pas pour Dieu. Awana tena na mapendo kwa ajili ya Mungu. Cela leur a donné plus d'amour pour le monde, plus de désir pour le divertissement. Ile inawapatia mapendo ya mingi kwa ajili ya dunia, mapendo kwa ajili ya anasa za dunia. Qu'ils n'en ont pour la prédication de l'évangile. Mule kipimo awana tena na mapendo kwa ajili ya mahubiri ya injili. S'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement, kama hakuna kwaya munene na bia kucheza cheza bia mingi, des cris de distraction, malalamiko na bia kulengesha, ils ne veulent plus du vieux évangile. Aba penda ke tena ile injili la kale, qui amène des larmes et des joies à l'âme. Ile injili kunaleta machozi ya fura kunafsi. Qui ramène la guérison divine, il est qu'on a l'état au ponaji ya umungu, qui redonne les dons apostoliques à l'église, il est qu'on a l'état tena vipaji via kimitume ku kanisa, qui amène le Christ ressuscité, il est qu'on a muleta ule Christo ule alie fufuka, le Messie ule Masia de ce jour-ci. Vous voyez à peu près le programme de menu. Shimunaona mapo ya chakula. Le menu que cette église va avoir. Chakula ile kanisa tapata. C'est une église avec la guérison, manake, avec la puissance. Ni kanisa ile kuna uponaji na uwezo na malalamiko ya ushindi, furaha, les larmes, machozi, et prêchant le Christ ressuscité, le Messie de ces jours. Na mukubiri ule Kristo aliyefufuka, ule Masia wa siku ya leo. Pale Messie passé. Apana Masia ule shapitaka. Mais le Messie de ces jours. Ule Masia wa siku ya leo. Na ton ami tu vois le menu? Umulize rafiki yako unaona chakula? Le menu de cette église. Unaona chakula hii kanisa? Et aujourd'hui, si vous vérifiez, le menu des églises, c'est très pauvre. Na leo, mukiangarishisha machakula ya makanisa ya mingi, inakosa vitu ya mingi. Le menu est pauvre. Inakosa vitu ya mingi. Vous n'avez pas envie de rester dans un tel restaurant. Amuna na map, na nia ya kubakia mufashi ya kuria ya vile. Parce que quand on est dans un restaurant, wakati naingia fasi ya kula, on demande le menu. Unalomba mapo ya chakula. Est-ce que vous avez comme nourriture? Ni chakula gani tuko nayo hapa mui chumba ya kulia. Et avec le menu, na ile chakula, tu peux décider, unaweza kuchukua mpango, de commander. Aujourd'hui le menu des églises, leo mapo ya chakula ya kanisa, c'est très très pauvre. Iko maskini sana sana zaidi. Regarde le menu. Mwangalieni mapo ya chakula. Quelle profondeur. Upana gani. Demontre le Messie d'aujourd'hui. Ya kuonesha ule Masia wa leo. Pas le Messie du temps de Pierre. Apana Masia wa wakati ya Petro. Le Messie de ces jours-ci. Ule Masia wa leo. Et une prédication accompagnée de la puissance. Na mahubiri iliyosindikizwa na uwezo. Est-ce que tu apprécies le menu? Et tunafurahia matayarisho ya chakula. Amen. Amina, amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Tu as vu le Messie d'aujourd'hui? Unamuona ule Masia wa leo? Mais, walakini, de même qu'Israël a été lié baka vile Israeli bali mufungaka par ses rois
au point qu'ils ne pouvaient pas suivre leur vrai roi. Leur vrai roi, lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui. Les églises liées ne voient pas leur roi. Makanisa lio fungwa aimuone mufalme. Oh Seigneur. Eh Bwana. Le roi de gloire est apparu. Ule mfalme wa utukufu anaonekana. Sous la forme du Saint-Esprit. Ali ya Roho Mtakatifu. Les gens ne le savent pas. Wantu awaijue. Ils ne les reconnaissent pas. Awamutambue. Ils sont organisés. Warisha difanya matengenezo. Si rigoureusement. Na nguvu ya uyote. Ils ne comprennent rien. Mwile kipimo abaelewe kintu. Car ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Wani aipitikane mkunji ya matengenezo ya. Seigneur. Bwana. C'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Ni kaji ya shetani njo lifanya ile kwa watu. Écoutez 84. Sikieni sasa 84. Puisse les Samson de Dieu. Wale wa Samsoni wa Mungu wapate. Puisse ceux qui sont droits de cœur. Wale weko wa ati kumoyo. Ceux qui soupirent. Wale weko na ugua. Et crient. Na weko na lalamika. Qui intercèdent. Weko na omba toba. Et qui tiennent ferme. Na wanabakia imara. Puisse-t-ils tenir bon Seigneur. Wapate kubakia imara Bwana. Jusqu'à ce que. Baka na pale. Cette nouvelle chevelure. Aya pousse baka na pale inywele mupya itaota jusqu'à ce que baka na pale il y a encore la joie en Sion utakuwa tena furaha katika Sayuni et apparaisse un groupe na kutonekana nkundi moya qui peut reconnaître ile naweza kutambua et comprendre na kuelewa un groupe kundi qui peut voir il est naweza kuona le Messie Masia et la puissance cachée na mauwezo liofuchama que les gens ne comprennent pas présentement il est bantu abaelewe apasasa. Alléluia. Alléluia. Mon ami, Rafiki yangu, cette nouvelle chevelure, c'est un groupe de gens. Inywele mupya ninkunji ya bantu. Un groupe de gens. Kunji ya bantu. Capable de voir le Messie. Ile kona uwezo ya kumuona Masia. Que le monde ne voit pas. Ule dunia aimuone. Capable de démontrer la puissance. Kunjile kuna uwezo ya kuonekanisha uwezo. Voilà les critères. Tazameni matayarisho ile. Et ce groupe de gens. Na ile nkunzi ya bale bantu. Il y en a qui peuvent être au Congo Brazza. Kuko bale banaweza kuwa ku Congo Brazza. Ici. Kuko bengine beko hapa. Un peu partout. Bengine beko palipote. Mais quand nous suivons les critères, nous comprenons qu'ils ne sont pas nombreux. Je suis fier d'être à Tanganyika. Mie, niko na fieri vile niko Mutanganyika. Essayant d'apporter l'ouragan. Mukujaribu kuleta ile upepo kubwa. Montrer les profondeurs de la messianité. Mukuonesha maupana ya kimasia. Et la dynamique. Na moto. Si un est là-bas, Dieu le connaît. Kama moya kukule Mungu anamjua. Parce que je ne peux pas être seul. Jushiwezi kuya mimi mwenyewe. Après frère Branham, Dieu n'a pas une seule personne. Kisha ndugu Branham, Mungu ashina tu na muntu moya. Est-ce que vous comprenez ces choses? Yes, Mungu naelewe bibintu ibi. La doctrine d'amener tout à une seule personne, elle est fausse. Mafundisho ya kupeleka biote kwa muntu moya ni mafundisho ya bongo. Dieu
Dieu a un groupe de gens. Mungu ona nkunji ya bantu. Les porteurs de ce réveil de la dynamo. Bale beko na leta hi amko ya chombo ya moto. Mais il faut les chercher. Ah, ina pasha kubatafuta. Il faut les trouver. Il n'a pas chaque bata. Parce qu'avec les critères, c'est difficile de classer quelqu'un par sentiment. Quelqu'un qui apporte des profondeurs. Et il a la puissance. Et ils ne sont pas nombreux. Et selon la vision de la danse, ce sont des gens. Ni bantu bale. Même si Dieu agit, c'est dans le calme. Ce sont des gens qui n'auront pas de démonstration publique. Ceux qui sont en train d'insister, c'est les enseignements. Bile beko na kazisha kabisa ni mafundisho. Mais du côté miracle ou guérison, ngambo ya miujiza na uponaji, abafanye maonekanisho ya kusema paka bantu bote baone. Dieu fait, nous le louons, nous passons. Mungu anafanya, tunamusifu, tunapita. Vous voyez les critères, hein? Naona makanuni, c'est différent de quelqu'un. Inachana na ule muntu qui peut aller par de propagande pour la guérison. Kufanya tangazo kwa ajili ya uponaji. Il n'est pas de ce groupe là. Ashina wa mwile nkundi ile. Parce que dans ce groupe là, c'est la vision de l'attente. Ni ono ya muema. Pas la démonstration publique. Apana maonekanisho ya mbele ya batu bote. Qui peut dire alléluia? Alléluia. Vous voyez déjà avec les critères de la parole. Tayari na makanuni ya neno. Même si quelqu'un dit que je suis l'homme de la relève. Atakama mtu anasema mimi ndio niko na mukombola. Avec la parole, vous voyez que ce n'est pas lui. Na neno inaonesha sema aina yeye. Parce que déjà amené de publicité de guérison. Tayari mukuleta mautangazo ya uponaji. Vous êtes déjà déclassé. Tayari ulisha tiliwa pembeni. Dans ce sacerdoce là, kikoani hiki, il n'y a pas de démonstration publique. Amuna maonekanisho ya mbele ya mecho ya batu. Kipeni alleluia. Sema alleluia. C'est des gens ni bantu qui élève la parole. Bale beko na inyua neno. Dieu peut agir. Mungu anaweza kutenda. Dans le calme. Lakini mukimia. Nous le louons. Tunamusifu. Nous l'exaltons. Tunamuinyua. Et nous passons. Na tunapita. À l'essentiel. Kukyakabaila. Il n'y aura pas la démonstration. Akuta kwa maonekanisho ya mbele ya watu kubwa. Vous êtes là? Ukuna nielewa? On peut avancer encore? Naweza kuendelea mbele. Alors ce groupe là, sasa ile nkunji ile, Dieu le connaît. Mungu anabajua. Il sait où il y a exactement chacun. Anajua kabisa kabisa kila mmoja yuko wapi. Et ce sont des leaders dans chaque coin. Na bale bantu bale ni baongozi mukila kona mukila ngambo. Qui puisse provoquer le réveil. Job anaweza kuletesha ile amko. Et Dieu peut avoir parmi eux, comme Frère Branham a dit, les gens les plus âgés, les gens d'âge moyen. Na mkatikati ya bale bantu Mungu anaweza kuya na bakubwa, batoto, ba miaka ya kuenea. Mais avec l'esprit jeune. Kwa lakini na roho ya kiana. Parce que tu peux être un jeune homme avec un esprit d'antiki. Ndu unaweza kuwa kiana na roho ya baze. Tu ne fais pas partie. We, auna mukile kinkunji. Ah, tu n'es pas là. Auna mu. Un esprit jeune. Parce qu'on ne prend pas cette révélation de vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Ça va s'éclater. Il faut des outres neufs. Des cœurs renouvelés.
Zibisho le kuishwa mupya. Ili ozali kwa mala ya pili. On a ôté la pierre. Mule balisha ondo wa ribwe. Un cœur capable. Moyo ile kona uwezo. De recevoir. Ya kupokea. Un cœur capable. Moyo ile kona uwezo. D'aimer. Ya kupenda. De pardonner. Ya kusamea. De compatir. Ya kudiunga kumagumu. Parce que Elohim. Wani Elohima. Devient tangible. Anakuwa kugusiwa. De manière qu'il peut compatir. Kudiunga kumagumu ya mwingine. La divinité a la compassion. Bumungu bunakalaka na roho ya buluma. Qui peut dire amen? Sema amina. Alors, sasa. Dans la prédication Samson, où est partie ta force? Katika mahubiri Samson, nguvu yako inenda wapi? Paragraphe 32. Kifungo yake ya 32. Le seul espoir qui nous reste. Tumaini tu moja ile na tubakiriria. Je termine en disant ceci. Mina maliza mkusema hivi. Il nous reste un seul espoir. Inatubakiria tu tumaini moya. Pendant que Samson était lié, wakati le Samson alikuwa mwenye kufungwa, il y eut une nouvelle toffe de cheveux qui poussait. Kulikuwa nywele ingine mupya ile iliyotaka. J'ai pris Dieu, mina muomba Mungu, de faire pousser ici quelque part une nouvelle touffe de cheveux. Afanya kwamba hapa fashi moya hivi paote nywele ingine mupya. Qui secouera les Philistins? Ile itatenga kesha wa Filistini. Comme il ne l'avait jamais été auparavant. Mouvile abaya batenke shaka kote uku. Je crois que Dieu aura cela. Mina mini akwamba Mungu atapata ile. Écoutez. Sikilizeni. S'il ne fait pas cela par des églises. Kama Mungu ashifanye ile kupitia makanisa. Il prendra des hommes d'affaires chrétiens. Atachukua wafanya viashara wa Kristo. Les hommes d'affaires, vous êtes là? Wafanya viashara muko hapa. Reçois votre bénédiction. Mupokeni baraka enu. Donc dans le programme. Manake mumapo. Il y a aussi les hommes d'affaires. Muko pia wafanya viashara. La puissance secrète du Saint-Esprit. Il est uwezo wa kisiri ya Roho Mtakatifu. Repoussera aussi certainement que deux fois deux font quatre. Itaota kabisa kabisa paka vile mbili mara mbili na toa inne. Et cela accomplira le travail. Na ile tatimiza kazi. Dans les derniers jours. Mumasiku za mwisho. Que Dieu nous accorde d'être tous de ce nombre-là. Na Mungu. Amen. Dieu nous accorde tous. Mungu anatuhesabia sisi wote. Que Dieu, il demande que Dieu nous accorde d'être tous de ce nombre-là. Mungu afanye kwamba shebote tukuye mwile bwingi bale batu bale. Avec cette touffe, na ile nywele mpya, quand elle poussera. Wakati taota. Ah, c'était le désir de William Branham. Ayele kwa njo ni ya William Branham. Il disait Seigneur, Bwana sema Bwana, que je sois là. Nipate kuwapo. Que je voie ce moment-là. Il est wakati ile. Mais aujourd'hui, il le voit de l'autre côté. Voilà qui leo eko na yone ya lo ile ngambo ya pili. Nous constituons le seul espoir de frère Branham. Cheye njo tunatunga ile tumaini moja ya ndugu Branham. La nouvelle chevelure. Nywele mupya. Il dit s'il fait pas avec les églises, il va faire avec les hommes d'affaires. Anasema kama shifanya na makanisa, ataifanya na wafanya viashara. Si tu es homme d'affaires, kama uko mfanya viashara, rappelle à Dieu cette citation. Umukumbushe Mungu iandiko. Dis Seigneur, sema Bwana, je suis censé être dans ce groupe-là. Niye mina pashwa kwa mukile kinkunji kile. Pas pour prêcher, aina kwa ajili ya kubiri, mais avec mon argent, walakini na pesa yangu, que ces gens-là puissent aller. Na bale bantu wapate kuenda. Qui a dit amen à ça? Sema amina kuile. Qui a dit alléluia? Sema alléluia. Que vos affaires florissent. Viashara yenu viende kembele. Toute affaire que tu vas tenter, ça va marcher. Viashara yoto tafanya bitaende kapaka.
aussi longtemps que deux fois quatre. Ile wakati yote ile mbili mala mbili inatoa ine. Il y a une complicité kuko mapatano entre le ministère et les hommes d'affaires. Kati ya uduma na wafanya biashara. Branham vous a associé. Branham alimiunga kabisa dans ce grand réveil. Oui, amko kubwa. L'ouragan. Ile upepo kubwa. Le réveil de la reine du midi. Amko ya ule malkia wa kusini. Amen. Amina. Merci Seigneur. Accenti Bwana. Pour ce grand programme. Wajili ya imapo kubwa. Alors nous comprenons. Basi tunaelewa. Et voilà ce que Frère Branham explique. Wangalia ni kile nduba mafasilia. Parce qu'il faut le renouvellement de l'entendement. Wani inatakiwa usikilizo mupya. Je n'apporte pas de brochure que personne n'en a. Mishilete bitabu bile bantu bengina bana nabio. Ce sont les mêmes brochures. Ni paka hivi vitabu mwa shebote tukunabio. Peut-être que quelqu'un a lu, il a passé. Sangire mtu mwingine alisoma tu mbio mbio anapita. Mais avec le renouvellement de l'entendement, na usikilizo mupia, les choses deviennent claires. Bintu binaonekana sasa waji kabisa kabisa. Et Branham voulait ce jour. Na Branham akuwa napenda kaishi kui. Où les jeunes, les noirs, ushikile babiana bantu beushi, vont manipuler ces profondeurs. Batatumia ima upana hii. Lui a déposé. Ye aritula. Et ceux qui amèneront les détails. Asabale bataleta mabitu katika uketo. Branham voulait voir ce jour. Branham akuwa napenda kuona ile siku ile. Et là il est au-delà de la balustrade. Na hapa iko ile ngambo ya pili ya pazia. En train de veiller. Eko na kesha. Il dit jeune corbeau là là là. Anasema we kijana kunguru endelea endelea endelesha. Frappe là c'est comme ça. We upika hivi njoo hivi. Les mêmes choses. Parce que le bintu bi mwalimu. Lui a déclaré. Bile ya ritangazaka. Mais nous la portons. Lakini chez tuna bileta. Dans un octave beaucoup plus élevé. Mukipimo kya yulu sana. Et le don devient clair. Na bintu binakuya waji. Le même don. Paka ile kipimo moja moja. Ala huitième puissance. Wile uwezo kubwa. Là ce n'est plus do. Ile tena aina do. Mais ça devient do. Do. La même note. Paka ile note moja moja. Amplifié. Lakini bana ikazisha. Et ça donne le son clair. Na inaleta murilio ya wazi. Ça change la symphonie. Na inabadirisha murilio. Parce que nous croyons un Dieu de coin. Kwani tunamini Mungu wa makona. Pas un Dieu de mire droit. Hapana Mungu wa bibambashi bya kunyoloka. Un Dieu qui fait de coin. Lakini Mungu leo anajenga makona. Amen. Amina. Oui monsieur. Ndio jamani. Que Dieu t'accorde le renouvellement de l'entendement. Mungu akupatie usikilizo mupya. Dans la prédication. Ndani ya mahubiri. La semence n'hérite pas avec la balle. Mbeko airiti pamoja na kanda. Paragraphe 65. Kifungo yake ya 65. Muzungu anasema nini? Qu'est-ce que le blanc a dit? Ouais, c'est Dio. Notre blanc. Ni muzungu wetu. Un blanc qui aime le noir. Muzungu la napendaka beushi. Un blanc qui a ôté les plans au blanc, il a donné au noir. Muzungu le alitosha buzungu kubazungu anapata. Buzungu. Ah, il a ôté les plans. Plan de la rédemption. Ah, muzungu la rinyanganya mapo ya ukombozi kubazungu anaipatia yo bantu beushi. Ah! Ah! Notre Branham à nous. Branham wetu. Branham wantu. Branham wantu. Ale notre. Ah, Branham wetu. Il dit. Anasema. Je suis envoyé pour les Africains. Mie barinitumaka kwa ajili ya wana Afrika. Amen. Amina. Écoutez, 65. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale. Hakuna hukumu kwa ajili ya ile mbeko ya kifalme. Spirituel. Ya kiroho. Prete.
destinée d'Abraham. Ya Ibrahim. Parce que Kwani. Ils sont prédestinés à la vie éternelle. Bo, barisha kubatarisha tu ni kuzima ya milele. Pas de jugement pour toi. Weye, auna tena na hukumu, auna nayo. Prédestiné. Barisha kukutarisha. À la vie. Kuzima éternelle. Ya milele. Ils ont accepté les sacrifices. Barikubali matoleo. Auquel Dieu a pourvu. Il est mungu aritarisha. Et ce sacrifice c'est Christ. Na ile matoleo mungu aritarisha ni Christo. La parole. Neno. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ni kusema hapa sasa hakuna tena hukumu hata moya. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Kwa ajili ya bale beko ndani ya Yesu Kristo. Romains 8. Wa Roma 8. Il ne marche pas selon la chair. Abatembeye kufuatana na mwili. Mais selon l'esprit. Walakini kufuatana na roho. Et Romains 5, 24. Na wa Roma 5, 24. Celui qui entend ma parole. Ule mwenyewe anasikia neno langu. Le mot signifie comprend. Imusemo mana yake kuelewa. N'importe quel ivrogne peut l'entendre. Mulevi wowote anaweza kuishikia. Et ensuite s'en aller. Kisha anapita anaenda. Mais walakini. Celui qui entend ma parole. Ule anashikia neno langu. Comprend ma parole. Anaelewa neno langu. Un nouvel entendement. Usikilizo mupia. Et qui croit en celui qui m'a envoyé? Na anamwamini ule alinituma. Il a la vie éternelle. Eko na uzima ya milele. Il n'entrera pas en jugement. Ata ingia mukumu. Mais kwa lakini, il est passé de la mort à la vie. Arisha toka kulufu anaenda kuzima. Oui, oui. Ndio, ndio. Celui qui comprend ce glorieux mystère. Ule mwenye anaelewa hii siri ya utukufu. Tu t'as révélé. Ya Mungu aliyedifunua. Comment Dieu était en Christ. Namna gani Mungu alikuyaka ndani ya Kristo. Réconciliant le monde avec lui-même. Mukupatanisha ulimwengu na ye mwenyewe. Comment lui et le Père étaient un. Namna gani yeye na Baba walikuwaka mtu moja. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu. Tena na ile siri kubwa ya kutimizika kwa Mungu. Qui se présente lui-même. Ule anajionekanisha ye mwenyewe. Manifesté. Alionekana. Dans l'âge des êtres humains. Mukizazi kya bantu wa binadamu. Amen. Amen. Par l'éternel. Kupitia des êtres humains babinadamu et en compagnie kisha na barafiki d'êtres humains babinadamu pour manifester kwa ajili ya kuonekanisha sa parole neno lake au jour du lever du soleil à l'est mushiku ya kulamuka kwa jua kule kwa asubuhi et faire la même chose na kufanya ile mambo moya moya alors que le soleil se couche à l'ouest. Muile wakati jua iko na lala kumangaribi. Pour se manifester. Kwa ajili ya kujionekanisha. Mukanisa bibi arusi. La parole rendue manifeste. Neno ilionekana uba. Vous voyez? Munaona? Celui qui comprend. Ule mwenye anaelewa. Celui à qui cela a été révélé. Ule mwenye bari mufunulia hii. Par celui qui m'a envoyé. Kupitia ula rinituma. Il a la vie éternelle. Eko na uzima ya milele. Et ne viendra pas en jugement. Na alta pita kuhukumu. Mais il est pas
passé lakini anatoka de la mort ulufu à la vie anenda kuzima. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Pas celui qui entend apana ule anashikia mais celui qui kwa lakini ule anaelewa. Oh, reçois le renouvellement de l'entendement. Eh, pokea usikilizo mupia. Comprendre quoi? Kuelewa nini? Comprendre que kuelewa sema le même Dieu ule Mungu moya moya qui était en Jésus ule alikuyaka ndani ya Yesu il a versé son sang alimwangaka damu yake pour réconcilier le monde avec Dieu kwa ajili ya kupatanisha dunia na Mungu. Ça c'était le lever du soleil ile alikuyaka ni kulamuka kwa jua voir le même Dieu kumuona tena ule Mungu moya ule nakuya au coucher du soleil mukulala kwa jua en compagnie des êtres humains na bantu barafiki batu par le canal des êtres humains upitia bantu celui qui comprend ça ule tu ataelewa ile alors reçois la vie éternelle pokea bashi uzima milele celui qui comprend ça ule anaelewa ibi il a passé de la mort anatoka kulufu anenda kuzima si ne mourra pas hautakufuaka. Tu as la vie éternelle. Uzima ya milele. Parce que tu as le renouvellement de l'entendement. Qui peut dire amen? Zema amina. Vous voyez, c'est là qu'il y a la vie éternelle. Munaona ni pale njo peko uzima ya milele. Pas ici à midi. Uzima ya milele aina huku. Paul, Paulo. Quand il établit Ephésiens 4, wakati alitia wa Efeso ine, il dit, anasema, c'est vous de nouveau lévite. Ni mwe njo balawi basasa. Les nouveaux prêtres. Mwe njo ba padri basasa. Vous êtes envoyés banamituma pour le perfectionnement des saints. Kwa jili ya kukamilisha watakatifu. Pour l'édification. Kwa jili ya majengo yabo. Pour amener l'unité de la foi. Kwa jili ya kuleta imani moja. Pour amener les gens à la stature de Christ. Kwa jili ya kupeleka watu mukipimo ya kanisa. Qui ne soient pas des enfants. Bakie batoto. Qui deviennent des hommes faits. Bakuye bantu bakukomea. Et c'est ce qu'Ephésiens 4 devait faire. Nanjokaji ile ba Efeso ine baripasha kufuania. Mais arrivé au livre des Hébreux. Kwa lakini mukufika ku kitabu kya Waebrania. Paul a compris. Paulo anaelewa. Que les Ephésiens 4 ont échoué. Asema wa Efeso ine wanabishindwa. Ils n'ont pas amené la perfection. Abakulete ukamilifu. Amen, amen. Et dit tendons à ce qui est. Njwana sema tu elekeye kuile iko kamilifu. La vie éternelle. Uzima ya milele. Laquelle Jésus de Nazareth n'a pas donné. Uzima ya milele ile Yesu wa Nazareti. Akuleta, parce que les zodiaques prouvent qu'il n'a pas donné la vie. Ma zodiaque inahakikisha kwamba akuleta uzima. Serre un peu la ceinture, ça va chatuer. Kokota mzuri mukaba yako njua hapa bitauma. Ça va faire mal au pentecôtiste. Bitauma wa mpenta. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Kumutumikia Mungu inje ya mapenzi yake. Paragraphe 177. Kifungo yake ya 177. Le 18 juillet 65. Ya mutare ya 18 mwezi wa 7 mwaka wa 65. La parole. Neno. Le message. Ujumbe. Le temps du soir. Ya wakati wa jioni. Doit produire. Inapasha kuzala. Les résultats. Matunda du soir. Ya wakati wa mangaribi. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Le message du soir. Ujumbe ya jioni. Doit semer des semences du soir. Inapasha kupanda mambeko ya jioni. Et non des semences du matin. Apana mambeko ya asubuhi. Est-ce juste?
Et ni bia kweri. Ce qui a été semé entre deux était les semences de dénomination. Ile nye walipanda kakati ya mbili ilikuwaka ni mambeko ya zebu. Le traducteur a eu peur. Tafsi ya yongo papa. Cela mourit. Ile likufuaka. Cela périt. Na ile kapotea. Laisse-moi lire l'original. Mwache nisome tu ya usaiye. Uyu mtafsiri ariongopa kabisa. Il a eu peur. Ari tetemeka, ariongopa. Il a fait le jeu de mots, il dit ce qui a été entre les deux. C'est-à-dire matin et midi. Kati ya ile likuwa ile mbiri, maana yake asubuhi na magharibi. Mais il a eu peur de citer midi. Lakini aliongopa kutaa midi. Il dit c'est entre les deux. Asema kati ya ile mbiri. Matin et midi. Asema asubuhi na mkatikati ya mchana. Mais dans l'original, ce n'est pas ce qui est dit. Ya musaiye aina ile wanasema. Il est dit ceci. Anasema hivi. Le spectacle du midi. Ile mambo ya mkatikati ya mchana. Ces semences d'autrefois. Ile mambeko ya wakati ya zamani. Était dénominationnel. Ilikuwaka ya kizebu. Bon, lui il a peur de citer midi, mais il a quand même dit les deux. Ye aliepuka kusema katikati ya mchana, lakini alisema ile mbili. Matin et midi. Asubuhi na kati ya mchana. Il a eu peur. Aliongopa. Mais il a quand même dit les deux étaient dénominationnels. Alisema kwa lakini ile yote mbili kwa kizebu. Et dans l'original, il est dit le spectacle du midi. On appelle midi spectacle. Il est mambo ya katikati ya mchana. Wanaita ile mambo. Spectacle, c'est théâtre. Ah, il est kinyango ya mchana. Le spectacle du midi. Il est kinyango ya katikati ya mchana. C'est semence d'autrefois. Il est mbeko ya zamani. Était dénominationnel. Ilikuwaka ya kizebu. Elles sont mortes et ont péri. Ilikufa na ikapotea. Mais. Walakini. Le message du temps du soir. Ile ujumbe ya kumangaribi. Révélera la lumière du temps du soir. Itafunua ile nuru ya wakati wa mangaribi. Et produira des résultats du soir. Na itazala matunda ya mangaribi. Le temps du soir. Wakati wa mangaribi. Le temps de Jésus. Il a repris ça là-bas? Wakati ya Yesu. Il a repris, hein? Le temps de Jésus. Wakati ya Yesu. Le message du midi. Ujumbe ya mkatikati ya mchana. A produit des résultats du midi. Ilizala matunda ya katikati ya mchana. Dénominationnel morte péri. Akizebu ya kufua inapotea. Supportez, hein, les pentecôtistes. Bampenta mufumilie. Ce n'est pas votre niveau. Le message du commencement. Il est ujumbe ya kumwanzo. A produit les résultats du commencement. Il izala matunda ya kumwanjo. Cela a produit la création. Il izalaka maumbile. Il a créé son fils à son image. Aliumbaka mwana wake kwa picha yake mkatikati ya mchana. Vers le soir. Mwakati wa jioni. Il crée une épouse. Anaumba bibi harusi. Vous voyez? Munaona? Par quoi? Kupitia nini? Par sa parole. Kupitia neno lake. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwaka neno. Le message de midi. Ujumbe ya mkatikati ya mchana. C'était la mort. Ilikuwaka ni lufu. C'était la dénomination. Ilikuwaka ni zebu. Il remplace midi par son leader. Il dit le message du temps de Jésus. Na anatia katikati ya mchana anatia hapo mwongozi wake anasema ujumbe ya wakati ya Yesu. A péri. Ilikufua. Et ça produit des résultats dénominationnels. Na ilizala matunda ya kizebu. Les sacerdotes de Jésus. Ukoani ya mkatikati ya mchana n'a pas donné la vie.
aikuleta uzima. Un message dénominationnel. Il y a ujumbe ya kizeebu. Qui peut dire amen? C'est mamina. C'est la vérité. Ni ukweli. Jésus n'a pas amené à la vie. Yesu ashikupele kaka kuzima. Il a apporté le pardon de nos péchés. Arileta usama ya manzambi yetu. C'était ça le rôle du deuxième sacerdote. Il est njoli kuaka kaji ya kile kikoani kiapiri. Mais son message. Walakini ujumbe yake. Aberi. Irikufua. Son message. Ujumbe yake. A produit des résultats dénominationnels. Irizala matunda ya kizeebu. Parce que dans les zodiacs, Njukatika sayari, Dieu travaille avec quatre saisons. Mungu anatumikaka na mawakati ine. Il y a l'automne. Kuko wakati wa mwanzo wa kivuko ya mwanzo wa baridi. Il y a l'hiver. Kuko wakati ya baridi. Il y a le printemps. Wakati ya mwanzo wa kivukutu. Et puis il y a l'été. Kisha kuko wakati ya kivukutu. Que Dieu me donne simplement le temps de parler aussi des zodiacs. Mungu anipatie tu wakati ya kuzungumzia pia masayari. Comme ça va vous amener encore beaucoup plus loin. Itamipeleka tena mbali sana zaidi. Et chaque saison, na kila wakati, a trois signes qui l'influencent. Yuko na maalama tatu ile kuna mvuta. Et Jésus na Yesu est né d'une vierge. Arizarikaka kwa bikira. Il a travaillé sous la balance. Alitumika chini ya balance. Kipimo. Il est mort sous scorpion. Alikufa chini ya scorpion wala nge. Et il est ressuscité sous Sagittaire. Na alifufuka kupitia Sagittaire. Et directement il donne l'ouverture au Capricorne. Na mala moja nafungula Capricorne. Qui était l'âge d'Éphèse. Yenye ilikuwa kizazi kia wa Efeso. Un animal avec deux cornes. Nyama wa mapembe mbiri. Qui montre les deux puissances. Yenye naoneshe le mawezo mbiri. Qui a commencé avec l'église dès le début. Ile lianza na kanisa tangia kumwanjo. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Et l'esprit antichrist. Na roho ya mpinga Kristo. Et après Capricorne. Na kisha Capricorni. Il y a eu le Verseau. Kulikuwa sasa Verseau. Qui est l'âge de Smyrne. Yenye na kwa kizazi kia Smyrne. Et après le Verseau est venu le poisson croisé. Kisha Verseau kwa kwa basamaki bakungana. Qui est l'âge de Pergame. Na kizazi kia Pergamu. Et après le poisson croisé. Na kisha le basamaki bakungana. Est venu le bélier. Kukakuya ndama. Qui était l'âge de Tiatir. Yenye na kwa kizazi kia Tiatire. L'animal de sacrifice. Nyama wa kujitolea. Où le sang était martyrisé. Ule watakatifu walikuwa na wachinja. Et puis est venu taureau. Na kisha kukakuwa ngombe. L'âge de Sardes. Kizazi kia Sardi. Le taureau qui porte les fardeaux. Ngombe lo na papa mziko. Avec Martin Luther. Na Martin Luther. Qui a fabriqué la Bible. Ule alitunga Biblia. Et il a distribué. Na kaigawanya. Puis vient. Kisha kukakuwa les jumeaux. Bampundu. Et les jumeaux. La Bampundu. C'est l'âge de Philadelphie. Nikizazi à Philadelphia. Et après les jumeaux. Kisha Bampundu. Vient maintenant le cancer. Kuna kwa sasa kansa. Qui est l'âge de Laodicée. Inakuwa kizazi ya Laodikia. Et l'ange a dit à frère Branham. Na malaika alielezea ndugu Branham. Si tu amènes les gens à te croire. Kama unafikisha bantu mkukuamini. Même le cancer. Ata kansa. Ne va pas te résister. Aita kuzimpa mbele. Amen. Amina. Et après le cancer. Na kisha kansa. C'est le lion. Ni simba. La seconde venue. Ujio ya mala ya pili. Maintenant, sasa, quand Jésus travaille, wakati Yesu eko natumika, parce que vous allez voir que la Vierge s'est allaitée. Njumtaona sema ubikira ni usafi. L'été a trois signes. Il y a la Vierge, il y a le cancer, il y a le lion. Asema kuko bikira, kuko cancer, kuko simba. Ils sont influencés par la saison été. Wanavutwa na ile wakati ya
kivukutu. Et frère Branham dit l'été c'est la maturation. Na nduba masema ile wakati ya kivukutu wakati ya kuivia ni kukomea. Jésus lui-même, Yesu ye mwenyewe, né de la Vierge, mwenye kuzarika kwa bikira, était un grain mûr. Alikuwaka mbeko ya kuivia. L'âge de Laodicée, qui est l'âge du cancer, kizazi ya Laodikia, ile nakuwa kizazi ya kansa, c'est l'âge de la maturation de tous les démons qui ont commencé à travailler depuis Éphèse. Ils arrivent à maturité à Laodicée. Ni kizazi kia kukomea kwa mandemo na yote ile ilianza kutumika tangia Efeso inakuwa inakomea sasa mulaudikia. Et le lion na simba, c'est le temps de la moisson. Njo wakati wa mavuno, où l'épouse arrive à la maturité. Wakati le bibi arusi na naivi anakomea. Mais le Seigneur Jésus lui-même étant mûr, sasa Bwana Yesu yeye vile kwa mwenye kuivia, quand il entre dans le ministère, wakati anaingia katika huduma, c'est l'automne. Ni wakati wa mwanzo wa baridi. Oh, l'automne, japo mwanzo ya baridi, c'est la mauvaise saison. Ni wakati mubaya. Ce n'est pas que la parole que Jésus avait n'était pas une bonne parole. Aina ya kusema neno ile Yesu alilitaka ikuwake neno mzuri. C'était la bonne parole. Ilikuwa ni neno mzuri. Une bonne semence. Mbeko mzuri. Mais plantée pendant la mauvaise saison. Walakini mbeko ile banayotesha wakati mubaya. Amen. Amina. Même une bonne semence. Atambeko muzuri, seme pendant la mauvaise saison, ile banaotesha mwakati mubaya, ne va pas donner de bons résultats. Ile mbeko muzuri aitaleta matunda mizuri. C'est pourquoi quand il a compris ça, jo kwa mana pale alifikia mkuelewa ile, il a dit aux disciples, alielezeaka banafunzi, j'avais beaucoup de choses à vous dire, nilikuwaka na bintu bya mingi bya kumielezea, mais je ne peux plus le dire maintenant. Walakini siwezi kumielezea abio hapa sasa. Il a compris que c'était la mauvaise saison. Alielewa sema hii ilikuwa ni wakati mubaya. Il dit mais je m'en irai. Asema kwa lakini mimi nitaenda. Je l'enverrai. Na nitaituma. Le consolateur. Kamutuma mufariji. L'enseignant. Mwalimu. Quand il sera venu. Wakati yeye mwalimu atakuya. Il vous dira ces choses. Atamielezea hivi bintu. Amen. Amina. Alors, sasa, même Pierre, ata Petro, qu'on était censé laisser l'église, ule baripashaka kuachia kanisa, n'a pas compris Jésus. Ashikumwelewaka Yesu. Donc, son message est devenu dénominationnel. Ujumbe yake kakuwa yakize. Pas à cause de lui, aiko kwa ajili yake, mais à cause des gens à qui il parle. Walakini kwa ajili ya bale bantu alikuwa anahubiri. Commencez à comprendre. Hein? Tous ces apôtres-là pensaient que Jésus est venu faire la politique. Qui va renverser Hérode et Pilate. Atangusha Hérode na Pilate. Et que eux vont occuper des postes. Na boba tabibele ma bichi yote ile. C'était ça la mission. C'était des charnels. Voilà pourquoi sous le deuxième sacerdoce, il n'y a pas la vie. Un jour, ils pouvaient discuter entre eux. Il dit, allons demander le maître. Dis-nous. Affaire, on a quitté. Biashara, turishaache. Boulot. Makaji. On a laissé. Turiachi. Famille. Familia. Nous avons abandonné. Turiacha. Pour te suivre. Dieu a quoi qu'on fata wei. Dis-nous. Sasso tu elezé. À la fin. Kumwisho. Tu vas nous donner quoi? Tu tapatia mo nini. Tu tapatia nini.
Jésus leur discerne. Yesu anaba fafanua. Il leur donne ce qu'ils veulent. Anaba pati akile baripenda. Il dit à la fin. Asma kumwisho. Oh, mais vous serez des gouverneurs. Eh, si mwe mutakwa baliwali. Vous allez régner sur les 12 tribus. Mutatawala paile makabila 12. Oh! Lui il parle du millénium. Mais hey, ils prennent ça là. Lui-même. Vous avez entendu? Fini les blagues. C'est pourquoi Jésus. Yesu, il va regarder Pierre. Atamwangalia Petro. Il dit Simon. Azima Simon. Le jour tu seras converti. Shikutu ilo tabadirika. Tu vas affermir tes frères. Uta badirisha ta kamilisha banduku yako. Donc Pierre était païen. Petro alikuwaka mupagano. Kibadirame. Sema amina. Et nous avons beaucoup de païens, des anciens de l'église. Na tuko na ba pagano ba mingi baze ya makanisa. Païen. Ba pagano. Inconverti. Bashipo kubadirika. C'est ce qui fait que Njoele kuna fanya kwamba Jésus mourit. Yesu alikufa. Ah et mwana na mwana benda. Kila muntu na muntu anarikokota. Pierre dit, Petro anasema, mes amis, barafiki yangu, ma pirogue est encore là. Mutumbu yangu ichingariki. Je vous aime. Mina mipenda sana. Mais il n'y a pas moyen. Kwa lakini hakuna namuna. A la pêche. Anaenda kuloba. Ni. Bila mavazi. Le pasteur. Mchungaji. Mais il est ni au fleuve. Eko na loba bila mavazi kumtoni. Ancien. Musée wa kanisa. Sans le Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu. Mais l'ancienneté. Voilà qui nous bouge. Lui donne un certain droit. Buna mpatia aki fulani. Ça c'est le sacerdoce qui est aboli. Ini kikoani le varisha vunja. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedek. Tout comme kikoani qui a Melchisedek. Ce n'est pas l'âge. Aina miaka. Mais c'est la matière. Voilà qui ni kujua kwa bintu. Amen. Amen. Le frère Matthieu, Nduku Matayo, il était au péage. Parce qu'il était public. Il faisait payer. Il dit mes frères, j'ai vérifié. On ne m'avait pas encore remplacé. À la fonction publique. Ah, kukaji ya péage. Alors, revoir, je vous aime. Mie bae, mina mipenda. Mais je rentre. Voilà qui ni mina luria. Liki retourne à l'hôpital. Luka karuria l'hôpital. Et le matin, na asubuhi, ceux qui étaient venus de Maus, bale bali tokia ku Maus. Ils ont commencé la marche vers le retour au village. Bakanza mwendo ya kururia kukijiji. Aller faire les champs. Kwenda kurima mashamba. Parce que njoo la coupe n'apparaît. Kajile balikuwa na tayarisha ibambe. Vous voyez les disciples de Jésus. Donc, dans ce sacerdoce là, il n'y avait pas la vie. Amukuku yake uzima. Je voulais lire une citation, mais je garde ça. Nilipenda kusoma andiko moya kwa lakini mimi naichunga tu. Hein? Vous voulez que je la lise seulement? Unapenda nisome? D'accord. Mzuri. Lorsque leurs yeux furent ouverts, wakati mechu abu ilifunguka, ils les reconnurent. Njopale
12 février 64. Ya kuminambili mwezi wa pili mwaka wa sitini na ine. Paragraphe 70. Kifungo yake ya sabini. Septembre. Kufika sabini na mbiri. 12 février 64. Tare ya 22 mwezi wa 12 mwaka wa 64. Ouvrez-moi ça là-bas pendant que je cherche ici. Muipate kwepesi mwakati mieni kuna tafuta hapa. Bon. Basi. Nous voyons encore comment il s'est fait connaître à eux. Tunaona namna gani tena alijujulisha kwabo. Après qu'il est entré. Kisha yeye kuingia. Comment s'y était-il pris? Alafu alifanyaka je. Il leur a ouvert les yeux. Alibafungula kamecho. Pour qu'ils sachent qui il était. Njuba jue yeye alikuwaka nani. Quand il est entré en eux. Wakati ile yeye aliingia ndani yabo. C'est alors qu'il leur a ouvert les yeux. Njo pale alibafungula mencho. Pour voir. Njo baone. Jésus entra dans deux personnes. Yesu aliingiaka ndani ya bantu aba bawiri. Jésus là qui était ressuscité. Ule Yesu ule alifufuka kaule. Quand il a disparu, Branham dit il est entré en eux. Wakati la ripotea mbele yabo, Branham asema aliingia ni ndani yabo. Le Jésus là. Ule Yesu la ripotea ule. Qui a rompu le pain là. Ule alivunja mkate. Il disparaît. Kisha anapotea mbele yabo. C'est Jésus là. Ule Yesu ule ule. L'homme là. Ule Yesu muntu ule. Physique. Ule muntu wa kimwili ule alikuwa pale mbele yabo. Il entre dans deux personnes. Aliingia ndani ya bantu aba bawili. Comment il s'est divisé pour asa, entrer? Alilikabula je njua ingie mubale bawili. Dieu est mystérieux. Mungu eko wa masajabu. Ne posez pas la question, il est venu, il est où? Ushuliza sema pale alikuya sasa iko wapi? Il est dans son épouse. Eko ndani ya bibi harusi wake. Eh bien, basi. Quand la parole entre en vous, wakati neno inaingia ndani yako, et que vous acceptez la parole, na wewe unaichika ile neno, et qu'elle entre en vous, na neno inaingia ndani yako, alors la promesse, pale sasa malako, cette promesse que vous avez acceptée, ile malako ile ulichika ile inajionekanisha, alors vous savez qui c'est, pale unajua ni nani sasa. Comment s'y était-il pris? Sasa alifanyaka je? Comment s'était-il fait connaître à eux? Sasa alijijulishaka je kwabo? En faisant les mêmes choses qu'il avait fait bila rifanyaka avant sa crucifixion mbele ya kusulubishwa kwake. Alors sasa ils ont reconnu njo pale barivumbula que c'était lui. Asema ilikuwa ni yeye. En effet ni kusema il était ressuscité des morts. Alikuwa shakufufuka kutoka mpabafu. Écoutez, chikieni. Toute la prédication, mahubiri yote, tout l'enseignement, mafundisho yote, et tout le reste qu'il avait fait, na biote bile bilibakia bila rifanyaka, avait échoué, birishindwaka. Tout avait échoué. Shunone, biote birishindu, mafundisho, biote birishindu. Vous avalez ça? Mon amézaï. Prédication, enseignement. Nama ubiri. La vie. Nama fundisho. Tout. Biote. Que Jésus a fait avec. Bile Yesu alifanyaka bilifanini birishindwa. Et si nous amenons que les messagers et les messagers sont un? Na kama tunasema mujumbe na ujumbe ni mtu moya. Vous avez peur? Muguna boka. Les messages et les messagers sont un seulement dans Branham, pas dans Jésus. Ujumbe na mujumbe ni mtu moya ni kitu moya ni paka kwa Branham, kwa Yesu kwa hapana. Jésus avait Yesu alifanya nini? Alishindwa. Kayembe utu wapi? Kayembe unatokea wapi? Mais tu peux tomber parce que ça là ça te dépasse maintenant. Hii shinakupita sasa hapa. Mais tu as confiance hein? D'accord. Amen.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est William. Aïna mi enjoy mi nasema, ni branam enjoy nasema. Dans ce sacerdoce, il n'y avait pas la vie. Amukuaka uzima. Résultat dénominationnel. Matunda yakizebu. Prédication, enseignement avait échoué. Maubiri na mafundisho biri shindwa. Pas à cause de lui. Aiko kwa jili yake. Mais à cause du peuple. Kwa lakini kwa jili ya taifa. Pendant l'automne. Mwakati ya mwanzo ya baridi. Même si tu es un ingénieur qualifié. Ataka mauku engineer bora. Il y aura pas de bons résultats. Autapata matunda nzuri. Parce que c'est semé pendant la mauvaise saison. Bariotesha mwakati mubaya. Amen. Amina. Il n'y avait pas la vie dans ce sacerdoce. Mukile kikoani amukuaka uzima. Ephésiens 4. Wa Efesoine. Censé amener les gens à la perfection. Bale banapashwa kupeleka bantu kukamilifu. Ne l'ont pas fait. Abakuifani. Parce qu'ils ont traînaillé à ne parler que de la croix. Nju barichelewa sana banabakiria fashimua mkusema paka mambo ya musalaba. Or, la croix ne donne pas la perfection. Ijapo musalaba ailete ukamilifu. Il faut aller au-delà de la croix. Inapasha kupita pale pa musalaba kutambuka kwenda. Qui peut dire amen? Sema amina. Voilà l'échec des Ephésiens 4. Ndio kushindwa kwa ba Efeso ine kule. Et Apocalypse 10. Na ufunuo kumi. Nous amène un autre Ephésien. Inatuletea muefeso mwingine. Dans ce sacerdoce, ndani ya jikoani, il y a un autre Ephésien. Muku muefeso mwingine. Un autre sacrificateur. Mukoani mwingine. C'est là où nous sommes. Njo fwashi ile tuiko. Et cet autre Ephésien, na ule mwefeso mwingine, Elohim, Elohima, Melchisedek, Melchisedeki, c'est un enseignant, ni mwalimu. Ah, laisse-moi lire ça. Mwache ini isome. Laisse-moi lire ça. Mwache ni isome. Un paradoxe. Paradoxe. Paragraphe 71. Mais on nous a promis selon Apocalypse 10. Walakini bali tulakaka kufatana na ufunuo kumi. Selon Malachi 4. Fatana na Malachi 4. Et Saint Luc. Na Luca. Ainsi de suite. Na kazalika. Qu'un Ephésien doit venir pour cela. Asma muefeso mwingine anapasha kuya kwa ajili ya ile. Cela est promis mes amis. Ile bari laka barafiki yangu. Un Ephésien doit venir. Muefeso anapasha kuya. Afin que ce septuple mystère de la parole de Dieu soit révélé. Ili imasiri saba ya neno la Mungu ipate kufunuliwa. Et c'est dans l'âge de la Odyssée que cela a lieu. Na ni mukizazi ya la Odyssée njo mule mnafanizika hii mambo. Je crois que nous en sommes là. Mimi naamini ya kwamba tukuamo sasa. Je crois que. Naamini ya kwamba. Nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Tuko kabisa kukimvuri ya ujio ya ule mwana wa mtu. Et comme Josué. Na sabile Yoshua. Juste avant. Avant qu'un Ephésien soit suscité, mbele amwefeso ashimame, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé. Jovile wanombatizaji alishimama, juste avant le prochain Ephésien. Mbele tu ya ule mwefeso mwingine. Et il nous en est promis. Na baritulaka ye. Un autre Ephésien. Mwefeso mwingine. Il est prédit ici dans les Écritures. Manatanguria kulaka hapa mmiandiko. Pas les Ephésiens. Apana wa Efeso. Mais un autre Ephésien. Efeso mwingine. Dans ce sacerdoce. Mwiki koani. Ce n'est plus vos histoires apôtres évangélistes. Aina tele mambo yenu ya mutume, mwinjilishi, mchungaji. Mais un autre Ephésien. Mwefeso mwingine. Deuxième saut. Mouri ya piri. Paragraphe
Paragraphe 241. Mais je vais me baser vraiment à 248. Il dit, l'église naturelle. Bon, laisse-moi seulement commencer au début là. Y a-t-il déjà eu une époque où les dénominations ont connu des réveils comme ça a été ces dernières années? Examinez donc cela. Nous sommes chez nous. On va parler les choses. Parce que nous sommes chez nous. Amen. Amen. Quand les dénominations méthodistes, baptistes et les autres, wakati mazebu, washipiringa, wabaptiste na wengine, se sont-elles jamais développées par le ministère d'un homme comme elles font par celui de Billy Graham? Quand y a-t-il eu un homme qui est déjà allé vers l'église formaliste avec un nom se terminant par H-A-M? Wakati gani kushaku yaka kwa mutu ule arienda ukanisa kidesturi na jina ilio malizika na H-A-M? Posez-vous simplement. Mwe mudulize tu. Abraham. Ibrahim. Maintenant regardez. Sasa mwangalie. Le nom d'Abraham. Ile jina ya Ibrahimu. A 7 lettres. Ina maherufi 7. Mais celui de notre frère Billy Graham. Lakini ile jina ya ndugu yetu Billy Graham. C'est Graham. Ni Graham. Ana 6 non pas 7. Ikuna maherufi 6 apana 7. Le monde. Kidunia. C'est là dans l'église naturelle. Njo mule kanisa ya kiasili. Qu'il exerce son ministère. Eko na tumikisha mo huduma yake. L'église naturelle. Kanisa ya kiasili. C'était Lot à Sodome. Ilikuwa gani Loti ku Sodoma. Et lorsque cet homme est allé là-bas. Na wakati Sodoma alienda kule. Lorsque cet homme est allé là-bas. Wakati kule mutu aliendaka kule. Il a prêché. Ule mutu ariubiri. Il les a aveuglés par l'évangile. Ule mutu aliba pofushwa kupitia injili. Par contre, kwa kinyume, il y en a un qui est resté avec Abraham. Kuko mtu mwingine ule alibakia na Ibrahimu. Et Abraham, na Ibrahimu, l'a appelé, alimuita ule mutu, Elohim, Elohima, Seigneur, Bwana. Or, japo, quand Abraham avait venu toi, wakati Ibrahimu alikuwa aliona batatu banakuya, il a dit mon Seigneur. Alisema Bwana wangu. Quand Lot en avait venu deux, wakati Loti aliona wawili, il a dit, alisema, mais Seigneur, ba Bwana bangu. Voilà la différence. Munaona chanisho. Vous voyez l'œuvre trinitaire, hein? Munaona ile utatu. Voyez? Munaona. Jésus a dit, Yesu alisema, ce qui arriva du temps de Lot, mambo ilifika wakati wa Loti. Vous voyez cela? Munaona ile? Remarquez. Mutambueni. Faites le comptage. Mwesabie. Amen. Amina. Branham vous demande de faire. Branham anameomba mfanini mwesabie. Oh, ijapo. Il y en a un qui est venu vers l'église spirituelle. Kuko mumoya ule alikuwa ukanisa ya kiro. L'épouse. Bibi arusi. C'était Abraham. Ilikuwa kani Abraham. Qui n'est Abraham. Ilikuwa ni Ibrahimu. Qui n'était pas à Sodome pour commencer. Ule Ibrahimu lwaki ashukuku yake ku Sodoma. Remarquez ce qu'il a fait. Mutambueni kila alifanyaka. Il n'a pas prêché comme eux l'ont fait. Ashikubiri yake sa vile bo barifuanyaka. Il les a enseignés. Aribafundisha. Les deux anges ont prêché. Bareba malaika ba wiri bo barienda kubiri. Mais Elohim a enseigné. Lakini Elohim a yaribakia kufundisha. Et comptez les lettres. Mwesabie sasa maherufi. Avec H-A-M. Na H-A-M. Branham. Branham. Sept lettres. Herufi saba. C'est Elohim vers l'épouse. Ni Elohim kwa bibi arusi. Pas pour prêcher. Aina kwa ajili ya kubiri. Mais pour enseigner. Lakini kwa ajili ya kufundisha. Qui peut dire amen? Sema amina.
Oral Roberts et Billy Graham, leur ministère a de l'influence dans le monde. Oral Roberts et Billy Graham, Udumayabo, ikona muvuto mudunia. Ils prêchent. Kule bobe bona ubiri. Et il y a trop de bruit. Na kule kuko makelele ya mingi. Et c'est le réveil pentecôtiste. Na ile ni amko ya kimpenta. Là où était Abraham? Fashile par kuaka Ibrahim. Il n'y avait pas de bruit. Apa kuaka makelele. C'était l'enseignement. Par kuyaka ni mafundisho. Mais là-bas, trop de secousses, les feux. Le makelele ya mingi, moto, moto. Les gens qui courent. Bantu bana nguka, bana kimbia, bana luka. Les anges qui tirent les gens de force. Bengile wana kokota. Les anges. Ba malaika bana kokota bantu makama nguvu. Trop de spectacles. Ile vinyango kubwa mingi. À Sodome. Kule ku Sodoma. Démonstration publique. Maonekanisho ya mbele ya batu. Faire des tapages. Kufanya makelele. Sur la guérison. Kuhusu uponaji. Et c'est l'aveuglement. Na ile ni kubapofushwa. Mais celui qui est avec l'épouse. Kwa lakini ule eko na bibi harusi. Lui ne prêche pas comme eux. Yeye ashubiri sabo. Lui il enseigne. Yeye eko na fundisha. Vous voyez pourquoi j'aime l'enseignement. Hein? L'enseignement c'est la colonne vertébrale. Mafundisho njole mufupa ya bwima. Les prédications c'est bien, mais on ne doit pas. L'église maubiri ne doit pas s'asseoir sur des prédications. Kanisa aipashe wikaria paka yulu ya maubiri. Ce sera une église branlable. Et ta kanisa naza kuanguka saa yoyote. Mais l'enseignement. Lakini mafundisho. Elohim enseigne. Elohim anafundishaka. C'est le travail de un autre Ephésien. Njo kazi ya ule muefeso mwingine. L'enseignement. Mafundisho. C'est là où nous sommes. Njo fashile twiko. Il enseigne tout. Eko nafundisha byote. Et c'est ça Naniile qu'Apocalypse 10 dit ile ufunuo 10 nasema au jour de la voix du septième ange kushiku ya sauti ya ule malaika wa saba. Il y a le septième ange kuko malaika wa saba et il y a sa voix kisha kuko sauti yake et il y a l'écho de sa voix kisha kuko kushikirika tena kwa ile sauti yake. Le septième ange a déjà parlé. Malaika wa saba. Kusema alisha sema. Et il est parti. Kisha kaenda. Maintenant. Sasa pa sasa. Ce corbeau. Mbakunguru waba. Quand il vient. Wakati banakuya. Ce n'est pas un nouveau message. Abalete ujumbe ya sasa. C'est l'écho. Ni ile kururia kwa sauti. Vous avez déjà été dans des grandes forêts. Mushaku yaka mapori kubwa. Tu peux crier. Unaweza kulalamika. Et quand tu cries. Wakati unalalamika. Tu entends comme une autre personne. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même. La même voix a fait écho. Inakurudiriria. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un nouveau message. Hakuna ujumbe mupya. Frère Branham dit dans pourquoi je suis contre la religion organisée. Ndugu Branham anasema mwahubiri kwa nini napinga dini iliyofanya matengenezo. Paragraphe 206. Mungu yake 206. Il dit. Anasema. Dieu a tellement aimé ce messager. Mungu alimpenda kabisa zaidi huyu mjumbe. Que sa voix a fait un écho au ciel. Mwile kipimo sauti yake ilishikirika kumbingu. Ce messager uyu mujumbe est tellement resté fidèle à Dieu. Alibakia mwaminifu sana zaidi kwa Mungu. C'est ainsi que Dieu jomu ile kipimo Mungu a fait l'écho de la même voix. Alishikirisha ile sauti moya moya ile. Parce qu'Apocalypse 18 kwani Ufunuo 18 c'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Quand il crie wakati analalamika Jean entend comme une autre voix. Yohana anasikia sa sauti nyingine. Mais c'était l'écho de la même voix. Lakini ilikuwa kushikirika paka kwa ile sauti moya moya. Ce groupe de la nouvelle chevelure, il est qui kundi ya
ils sont l'écho de la voix du septième ange. C'est très profond. Ils n'apportent pas de nouvelles choses. Mais ils sont l'écho de sa voix. Parce que ces gens-là doivent ramener la joie à Sion. Je pars clôturer pour aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham a fait de ces gens des messagers. Il dit, je vous mets au même rang que moi. Vous êtes des messagers de ces mêmes messages. Pas un nouveau. Mais les mêmes. Alors on va clôturer ici. L'ange est descendu. Malaïka. Il y a un autre ange qui le reçoit. C'est le septième ange. Et il donne le livre au septième ange. Mais on dit à Jean, va chez l'ange. Wende kwa ule malaika. Prends le livre. Beba kile kitabu. Fais quoi? Ukifanya nini? Je pensais que c'est manché. Miri wajasima ni kutamfunya. Avale. Ni kumeza. Dans la Bible. Mu Biblia. Il y a ce terme là. Mukwile musemu ya kumeza. Nous ne mangeons pas les livres, mais nous avalons. Je atutamfunye kitabu kwa lakini tuku na kimeza. Même si c'est difficile. Atakamani bianguvu. Notre problème c'est faire quoi? Mambo yetu ni kufanya nini? Aval. Kumeza. On dit mais attention. Nasema keba ange. Quand tu vas avaler. Wakati utameza ile kitabu. Dans ta bouche. Mukinywa kyako. Ça sera doux. Kitakuwa kipole kya butamu. Mais la digestion. Kwa lakini ukivumilia mtumbo. C'est de l'amertume. Ni buchungu. Et Frère Branham explique ça. Parce que quand il avale, et que ça devient amer, na inakuwa buchungu, on lui dit, prophétise à nouveau. Tabiri malengine tena. Le royaume des prophètes. Ufalme ya banabi. Prophétise à nouveau. Tabiri malengine tena. Sur des peuples. Pataifa, sur des rois, Parafalme, surtout, Pabiote, prophétiser à nouveau. Tabiri malengine tena. Ce n'est pas des nouvelles paroles. Aina maneno ya sasa. Mais la même parole. Lakini pa kele neno moya moya. Prophétiser à nouveau. Tabiri tena. Et Frère Branham explique ça. Na nuba nam anafasilia ile. C'est la dernière citation. Niandiko ya mwisho. Apocalypse 5, deuxième partie. Ufunuo tano sehemu ya pili. Paragraphe 100 et 101. Kifungu yake ya 100 na 101. Il dit ce livre. Anasema hii kitabu. Composé de 7 parties. Kiliotungwa na vipande bisaba. C'est les 7 plans de la rédemption. Ni ile mapo saba ya ukombozi. Ça nous a été apporté. Bali tuletea ile kitabu. C'est ce que ce livre contient. Njo ile hii kitabu inakuwa navyo. Maintenant nous allons passer au chapitre 10. Sasa hapa tutapita kusula yake ya 10. Où cet ange puissant. Mule ule malaika wa uwezo. Proclame quelque chose. Anatangaza kitu moja. Il avait un petit livre. Alikuwa na kitabu kaloko. Que Jean dit manger. Kale Yohano alikulaka. Et quand il mange. Na wakati aliweza kula kitabu ile. Et quand il lit dans ses entrailles. Na wakati ile kitabu ilikuwa mtumbo yake. C'était amer. Ilikuwa buchungu. Mais dans sa bouche. Lakini mukinywa yake. C'était doux. Ilikuwa kabutamu. Quand vous devez le digérer. Wakati napaswa kuingia sasa mtumbo. Alors il devient amer. Bali inakuwa sasa buchungu. Tout le monde est contre vous. Bote sasa wananza kukupinganisha. Ouais, c'est amertume. Munaona bule buchungu. Tout le monde est contre. Bote sasa wanakupinga. Tout le monde vous dira que vous êtes un exalté. Bote batasema wewe uko uchechemuka. Vous êtes ceci. Vous êtes cela. Que vous avez perdu la raison. C'est donc difficile de les digérer. Mais quand
vous témoignez de sa gloire, c'est tout dans votre bouche. C'est tout. Vous voyez? Quand vous vous levez au milieu de l'assemblée, vous dites gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand vous endurez une forte attaque, c'est difficile. Mais une fois sorti de cette forte attaque, vous avez la possibilité de témoigner. C'est alors doux dans votre bouche. C'est cela le livre de la rédemption. Kitabu ya ukombozi. Alléluia. C'est chaud. Ibibintu. Quand nous les apportons, c'est doux. Biko butamu. Mais voilà qui ni la digestion ubivumiria muntumbo, c'est amer. Biko butchung. Parce qu'on dira, il essaye de se montrer qu'il est quelqu'un. Il veut voir qu'il est ceci. C'est la conséquence de ce livre. Les gens seront contre vous. Ils vont dire n'importe quoi. Mais Branham dit, même après avoir subi les attaques, continue à témoigner. Alléluia. Ah, ah. C'est ça le livre de la rédemption. Ça peut te faire tenir debout au milieu de l'assemblée. Katikati ya maskani. Utukufu kwa Mungu. C'est la vérité. Ukweli. Alléluia. Alléluia. Mais tout le monde n'aime pas ça. Lakini bote abapendake bya vile. Il y en a qui seront contre vous. Alors, le livre devient amer aux entrailles. Rien que pour la vérité. À cause de la profondeur. Je suis haï. Je suis attaqué. Violemment. Mais même après les attaques, Niendelea paka. Alléluia. Alléluia. Alors je peux prophétiser. Bale mimi naweza sasa kutabiri. Soyez bien. Kwa mwema. Parce que quand on a fait le livre, kwani wakati una meza kitabu, on commence à prophétiser. Unaanza kutabiri sasa. Si tu es venu malade, kama ulikuwa mgonjwa, pokea uponaji. Les hommes d'affaires, wafanya biashara, Branham vous a associé à moi. Branham alimilamatisha kwangu. Il dit vous et moi, asema mwe na mi, on va faire le travail. Tunapasha kufanya hii kazi. Recevez des millions. Mupokeeni mamilioni. Et si c'est le marché, mupate ma biashara, ma marché. Même toi, hein? Wewe. Merci. Je veux voir des millionnaires que le sacerdoce est en train de créer. Mie mina penda kuona ba millionnaire apa. Bale kikowani eko na zala. Parce que le réveil de la dynamo. Jukulamuka kwa mitambo. Va apporter les grands ouragans. Inapasha kuleta ouragan kubwa. Et cette force vient de l'Afrique. Na ile nguvu iko natoka mu Afrika. Et ça va balayer le monde. Na itazambalala mu dunia. Alors je prophétise. Alafu mina tabiri. Que votre prière soit exaucée. Ombi yako ipate jibu. Alors je prophétise. Sasa mina tabiri. Soyez la tête. Kwa kichwa. Et non jamais la queue. Apana kamwe mkila. Que le prophétise. Mina itabiri. Dans tous les domaines de la vie. Mumambo yote ya maisha. Toi aussi. Na wewe pia. Allez prophétiser. Wendo katabiri. Dans ces sacerdotes. Nuiki kowani. Nous sommes des prophètes. Tuko banabi. Je lis le dernier verset. Mina soma mustari ya mwisho. Et nous partons. Na tunaenda. Nombre chapitre 11. Namba sura yake ya 11. Verset 25. Mustari wake wa 25. L'Éternel descendit dans la nuée. Wa milele alichukaka katika wingo. Il parla à Moïse. Alisema kwa Musa. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Alichukua le roho kwa yulu yake. Il le mit sur les 70 anciens. Alitia pa wazee 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, na wakati tu roho
Ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ils Il y eut deux hommes. L'un appelé Eldad. Mumoya alio itwa Eldad. Et l'autre Medad. Naule mwingine Medad. Qui était resté dans le camp. Bo baribakiaka mukambi. Sur lequel l'esprit reposa. Bale ro iritulyaka. Car ils étaient parmi les inscrits. Wakati walikuwa kati ya wale walioandikiwa. Quoi qu'il ne fisse point aller à la tente. Ata vile abakwenda kamwema. Et ils prophétisèrent dans le camp. Na baritabiri mukambi. Un jeune garçon courir l'annoncer à Moïse. Kijana moja mwanaume alikimbia kwenda kutangaza ile mambo kwa Musa. Et il dit, na akasema, Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Eldad na Medad beko na tabiri mukambi. Et Josué fils de Nun. Na Yoshua mtoto yake ya Nuni. Serviteur Mutumishi wa Musa. Depuis sa jeunesse. Tangia buyana buake. Il prit la parole et dit. Akachukua neno na akasema. Moïse. Musa. Monseigneur. Bwana wangu. Empêche-le. Ubazuize. Moïse lui répondit. Musa akamujibu. Es-tu jaloux pour moi? Es-tu kuna buivu kwa jili yangu? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Acha taifa yote ya milele itungiwe na banabi. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Na wa milele apate kutia roho yake yulu yabo. Alléluia. Alléluia. C'est le jour dans lequel nous vivons. Jomu mashiku mule tuko naishi. Dans le troisième sacerdoce. Mukiko wani katatu. La jalousie de Josué. Bwivu bwa Yoshua ne peut pas nous empêcher. Abuwezi kutuzuiza. Josué Yoshua était fidèle à Moïse. Alikuwa mwaminifu kwa Musa. Et la jalousie na bwivu. Quand il a vu Eldad et Medad. Wakati aliona Eldad na Medad. Continue à prophétiser. Anendelesha na kutabiri. Il dit frère Branham apeshe. Ndugu Branham ubazuize. Tu es le seul à prêcher. Wewe mwenyewe ndio unapasha kuhubiri. Frère Branham. Ndugu Branham. Tu es le seul qu'on doit écouter. Mwenyeje tunapasha kushikia. Eh frère Branham. Na ndoko Branham anasema. Et tu jaloux? Et tu kuna bwivu? Oh moi. Kwa ajili yangu. Puisse tout le peuple de l'Éternel. Bantu bote ba wa milele. Être composé. Apate kutungiwa. De prophètes. Na banabii. Et que l'esprit de l'Éternel. Na roho ya wa milele. Sois sûr. Apate kwa yulu yapo. Et qu'il continue. Na baendeleshe. À prophétiser. Na kutabiri. Allons, je prophétise. Tabiri. Moi aussi. Allons, prophétise. Et Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Et Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amen. Yes. Ndiyo. Amen, amen, amina, amina, amina. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Merci pour le troisième sacerdoce. Asante kwa ajili ya kikoani kia tatu. Merci pour un autre Ephésien. Asante kwa ajili ya Mwefeso mwingine. Melchisedek. Melchisedeki. Sacrificateur. Mukoani. A perpétuité. Kwa daima. On va se tenir debout. Na miomba msimame. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Puissance dans le nom, puissance dans le nom.
Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant, le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin, notre Dieu, pour ce grand privilège que tu nous as donné dans cet âge. La parole nous a dit, il y aura la famine au temps de la fin. Oui, Seigneur, il y a la famine partout. Ce n'est pas la famine de la nourriture naturelle, mais il y aura manque de la parole. Mais nous, ce matin, Seigneur, précisément, fellowship ce matin, nous avons eu la grâce d'écouter la parole. C'est un privilège, c'est une grâce. Le prophète dit, beaucoup de gens se sont réunis. Ce matin, beaucoup de gens se sont réunis quelque part. Mais il y a ceux-là qui adorent le diable sans le savoir. Seigneur, merci pour la lumière de la parole. Merci pour le message du temps de la fin. Merci pour cette parole, Seigneur. Je crois que ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Ce que nous avons écouté depuis le matin, c'est la vérité. Parce qu'on nous a répété ce que Frère Branham a dit. Père éternel, tu es descendu. En tant que fils de Dieu, tu as prêché un message et c'est devenu une dénomination. Mais au temps du soir, quand tu descends dans Apocalypse 10 et que tu nous parles d'un autre message, Frère Branham me dit, ce message ne sera jamais une dénomination. Nous te remercions pour ce message. Laisse que cette parole qui est sortie puisse fortifier quelqu'un qui est faible. Laisse que ce message qui est sorti puisse guérir quelqu'un qui est malade ce matin. Laisse que chacun de nous, Seigneur, quitte ce lieu étant béni et dans la joie, parce que tu as touché un cœur, tu as délivré un cœur, tu as fortifié un corps malade, tu as amené la bénédiction, tu as élevé quelqu'un. Oh Dieu, laisse que toutes les prophéties de ce matin s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Jésus, que celui qui a besoin du travail le trouve au nom de Jésus. Que celui qui a besoin du mariage le trouve au nom de Jésus. Que celui qui a besoin de la guérison divine trouve la guérison au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants. Bénis ce programme.
Bénis le pasteur, bénis toute l'église. Laisse que la colonne de feu nous accompagne dans nos maisons. Laisse que partout là où nous puissions être, que nous puissions rayonner cette lumière, que nous puissions ruminer cette parole, et que cela puisse nous garder dans l'atmosphère. Nous te bénissons pour le pasteur racheté. Nous te bénissons pour ces dons. Nous te bénissons pour ces dons merveilleux. Élève-les encore, Seigneur. Fortifie son corps. Donne-lui encore beaucoup de force, beaucoup d'énergie physique pour nous apporter toujours la parole. Bénis toute l'église. Bénis tes enfants. Nous te bénissons en tout et pour tout. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés presque à la fin.